Hallelujah. Hallelujah. Father, thank you for this opportunity we have. In the name of Jesus. Amen. Amen. You may be seated. Matthew 22. Matthieu chapitre 22. Everybody say no weeping. Tout le monde déclare, pas de pleurs. No gnashing. Pas de grincement. Matthew chapter 22 verse 2. Matthieu chapitre 22 verset 2. How many of us here are from Geneva? Combien d'entre nous ici venons de Genève? Stand up if you are from Geneva. Levez-vous si vous venez de Genève. All right. Okay. Thank you. You may be seated. Merci, vous pouvez vous asseoir. Now, the prophecy is weeping and gnashing of teeth. Maintenant la prophétie c'est pleurer et grincement de dents. Matthew 22 verse 2. Matthieu chapitre 22 verset 2. And the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding and they would not come. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. But they made light of it. And went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnants took his servants and entreated them spitefully and slew them. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. But when the king heard thereof, he was wroth and sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Then saith he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. So those servants went out to the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Now when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said to him, friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Then said the king to his servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Now notice verse 13. Remarquez verset 13. The king said, bind him hand and foot, le roi and dit, take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Remarquez donc ce que le roi lui a dit. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans le ténèbre du dehors. This il y aura des pleurs et des grincements dedans. It's a prophecy. Et ça, c'est une prophétie. There shall be. Il y aura. Weeping
and gnashing of teeth. Des pleurs et des grincements de dents. And I want us to look at the eternal points of regret for Christians. Et qu'on analyse les points éternels de regret pour les chrétiens. May you never experience weeping and gnashing. In Jesus' name. Ne jamais expérimenter les pleurs et les grincements de dents au nom de Jésus. Right. D'accord. The first point here is that you will eternally regret making light of the ministry. Et donc le premier point éternel de regret est c'est que vous regretterez éternellement d'avoir pris à la légère le ministère. You will eternally regret making light of the call of God and of the ministry. Vous regretterez éternellement d'avoir pris à la légère l'appel de Dieu et le ministère. Amen. Amen. Now, you see that the Bible says they called them, but they made light of it. Vous voyez que la Bible dit qu'ils les ont appelés, mais ils ont pris ça à la légère. They took it as nothing. Ils l'ont pris comme si c'était rien. You see that anyone who makes light of a camp meeting is someone who is not going to do well. Vous voyez que quiconque prend à la légère un camp est quelqu'un qui ne va pas vraiment réussir. In the ministry. Dans le ministère. Yeah. Oui. Anyone who doesn't take it seriously. Quiconque ne le prend pas au sérieux. Is going to regret. Va le regretter. And there are many people that have regretted. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont regretté. Amen. Amen. You see, people take a lot of things seriously, but when it comes to the call of God, they don't take it serious. Voyez, beaucoup de they make light of it. And I like the way he wrote it. He says, but they made light of it. Voyez, beaucoup de personnes prennent beaucoup de choses au sérieux, mais lorsqu'il s'agit de l'appel de Dieu, ils prennent ça à la légère. Et j'aime beaucoup comment ils le disent dans le verset. You take your work seriously. Vous prenez votre travail sérieusement. You take your school seriously. Vous prenez vos études sérieusement. But you make light mais of God's work. Vous prenez à la légère le travail de Dieu. It's a small thing. C'est pour vous, c'est une petite chose. You hear that there is a camp meeting. Vous entendez qu'il y a un camp. You make light of it. Vous prenez ça à la légère. And you don't take it seriously. Et vous ne prenez pas ça au sérieux. You know, my son, Joshua. Vous savez, mon fils, stand up. Joshua, lève-toi. Yeah, he got married a few weeks ago. Il s'est marié il y a quelques semaines. Sit down. Assieds-toi. Interesting, you know, after the wedding. Mais de manière intéressante, après le mariage. One of his uncles came to him. L'un de ses oncles est venu à lui. And said to him. Et lui a dit. I never knew. Je ne savais jamais que. That this church thing, ministry, is so deep in you. Il lui a dit, je ne savais pas que cette chose de église ministère est tellement au profond de toi. You know. And he said. I want to give you some advice. Il lui a dit, j'aimerais te donner des conseils. That is after the wedding. I want to give you some advice. Ça, c'était après le mariage. Il lui a dit, j'aimerais te donner des conseils. It's not somebody who is so serious going to church or no. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement sérieux, aller à l'église, tout ça. He said to him, il lui a dit, take it seriously. Il lui a dit, prends ça au sérieux. And do it all out, fully. Et fais-le totalement. Don't do it half and half. Ne fais pas moitié moitié. Half pastor, half business. Moitié pasteur, moitié homme d'affaires. Don't make. He was repeating these words. Il était en fait en train de lui répéter ces mots. Don't make light of it. Ne prends pas ça à la légère. Do it. Fais-le. Huh? Yes, he said you should do it 100%. Follow other people who have done it half and half. 100%. Donc il lui a dit de ne pas suivre les personnes qui ont fait moitié moitié mais de le There's faire à 100%. There's somebody who you struggle to see him in church once or twice a year. Ça c'est quelqu'un avec qui on lutte pour le voir à l'église une ou deux fois par an. And he has prophesied. Et maintenant il a prophétisé.
Don't do it like what? How other people have done it half and He said I shouldn't follow people who have done it half and half, lay, half business, half this. I shouldn't do business on the side. I should take it seriously. Wow. Then he gave me an offering to go and be serious about it. Et donc, il lui a dit, oui, ne fais pas comme les personnes qui ont fait moitié-moitié, un coup business, un coup pasteur. Et ensuite, il m'a donné une offrande pour me dire d'être plus sérieux. Yes. Oui. You see, anything that you take it lightly. Vous voyez, quoi que ce soit que vous prenez à la légère. It doesn't become anything great. Ça ne devient pas quelque chose de grand. Yes. Those of you sitting in Germany. Ceux d'entre vous assis en Allemagne. Dortmund. Cologne, à Cologne, hein? Hamburg, à Hambourg, Kassel, à Kassel, Aachen, Frankfurt, Berlin, à Berlin. Don't take it lightly. Ne prenez pas ça à la légère. Don't take it lightly. Ne le prenez pas à la légère. Take it seriously. Prenez ça au sérieux. You know, I always know that everything depends on the person who is there. Vous voyez, je sais toujours que tout dépend de la personne qui est là-bas. And when I look at the results we are getting in Germany, in Switzerland, in these other places, you see a difference in Italy. Et vous voyez, lorsque je regarde, par exemple, l'Allemagne, la Suisse, I'm not trying to praise somebody or say whatever, but you know, I don't want you to have difficulty in understanding the preaching. Je veux pas que vous mécompreniez ce que je suis en train de dire. Vous essayez de critiquer quelqu'un. Yes. Because he's also a lay person. Parce qu'il est aussi une personne laïque. And sometimes even a lay person is even do better. Et parfois même les laïcs font he's mieux. He's also a lay person. Il est aussi une personne laïque. You see, seriousness about the work is different from being a full-time minister. Voyez, être sérieux avec l'œuvre est différent d'être un ministre à plein temps. You can be a full-time minister and not be taking it seriously. Vous pouvez être à plein temps et ne pas prendre ça au sérieux. They made light of it. Ils ont pris ça à la légère. And one went to his farm. Un est allé à son travail. Another to his merchandise. Un autre à sa marchandise. Wow. One went to his farm. Un est allé à sa that's more serious. That's more serious. Ça, c'était plus sérieux pour lui, son champ. Another went to his business. Et un autre, son affaire. Huh? Like something serious. There's something to do. C'est genre, ça, c'est quelque chose de sérieux à faire. Go to the farm. Aller à son champ. Let's go to the merchandise. Et un autre à son trafic. You know, I've been a lay pastor before. Vous voyez, j'ai déjà été un pasteur laïc. That is a pastor who is not paid by the church. C'est-à-dire un pasteur qui n'est pas payé par l'église. I've done it for many years. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. Yes. Oui. Many years. De nombreuses années. In three different capacities. À trois niveaux différents. I've been a lay pastor as a student. J'ai été a lay pastor as a medical doctor working doing my housemanship, and a lay pastor as a businessman. Et donc j'ai été un pasteur laïc en tant qu'étudiant. J'ai été un pasteur laïc en tant qu'interne en médecine. Et j'ai aussi été un pasteur laïc en tant qu'âme d'affaires. I have never made light of the ministry. Mais je n'ai jamais That's never been a small thing to me. Ça n'a jamais été quelque chose de petit pour moi. When I take our pastor in South Africa. Que ce soit quand je vois notre pasteur en Afrique du Sud. He was a medical doctor. Il était aussi un médecin. Pastor Clufio. Pastor Clufio. And he used to travel 80 kilometers et il voyageait 80 kilomètres and 80 kilometers back. Aller-retour. Every day. Tous les jours. To work. Pour aller au travail. First of all, he was traveling far because of the church. Premièrement, because he wanted to be in Pretoria where the church was. But the place that he was given a job was 80 kilometers this way. So he stayed here and go 160 kilometers every day. Premièrement, il habitait très not long. On Sundays, but 160 kilometers daily. Donc, Pasteur Clufio voyageait très loin parce que il habitait à Pretoria. L'église était à Pretoria, mais son travail était à 80 kilomètres. Donc, il faisait l'aller-retour tous les jours, et cela valait à 160 kilomètres par jour. And that is when he built a church with over 1,000 people as a lay pastor.
Mais c'est pourtant en ces temps qu'il a construit une église de plus de 1000 membres en tant que pasteur laïc. And to me, he did even better as a lay person. Et pour moi, il a même mieux réussi en tant que laïc. So I know different types of lay pastors. Donc je connais les différents types de laïcs, pasteurs laïcs. I know different. It's not this one is a lay person. This one is full time. So the full time person is no. You have lay pastors who can do more than even full time pastors. Il y a certains pasteurs laïcs qui font même bien plus que des pasteurs en plein temps. It's not about lay or full time. It's about the seriousness of the person. Parce que c'est pas une question d'être à plein temps ou laïque, mais c'est une question du sérieux de la personne. And you will regret making light of the ministry. I don't want to say, I swear. You watch it and see. I know God showed me that many of my pastors will regret. Et vous regretterez d'avoir pris à la légère le ministère. Je ne peux pas jurer, mais je vous le dis. Dieu m'a montré que beaucoup de mes pasteurs le regretteront. Not taking it seriously. De l'avoir pas pris au sérieux. If you come to the control room of the First Love Church in Accra, you would think that we are about to launch a rocket to space. Si vous voyez la salle de contrôle de l'église du Premier Amour à Accra, vous pourrez même penser qu'on est sur le point de lancer une fusée dans l'espace. Yes, oui. It looks like that. Ça ressemble à ça. You would think you are in Houston. Vous pensez que vous serez à Houston. Vous pouvez penser que vous êtes à Houston. And that we are launching a rocket. If I have a picture, I would show you the picture. You would think that. Point de lancer une fusée. It's a rocket. Vous pourrez penser qu'on est sur le point de lancer une fusée. For launch with controls. Avec une tour de contrôle. It's not a small thing to me. C'est pas une petite chose pour moi. When God told me to go to my first life and be a pastor, even if I'm an evangelist, I should be a pastor. It's not a small thing to me. Quand Dieu m'a dit d'être un pasteur, bien que je suis un évangéliste, de retourner à mon premier amour, pour moi c'est pas une petite chose. The people ask, so what do you do? It's not a small thing to me. Les personnes me disent, qu'est-ce que tu fais? It's with all my heart. C'est pas une petite chose pour strength. Moi d'être pasteur. I'm doing it. C'est tout mon cœur, toute ma vie. Yes. Oui. When I took up the crusade, with all my strength, what I'm doing now, I'm raising funds for the crusade. That's why I've come here. Otherwise, I'd have gone to Rwanda. Lorsque j'ai décidé de faire les croisades, j'ai fait ça de toute ma force. Et maintenant, je soulève des fonds. C'est pour ça que je suis venu ici. Sinon, je serais allé au Rwanda. Yes. Oui. And many of the people who should be here are not here. Et beaucoup des personnes qui auraient dû être là ne sont pas présentes aujourd'hui. He made light of it. Ils ont pris ça à la légère. One went to his farm. Un est allé à son champ. Another to his merchandise. Un autre à son trafic. And in the pastors. Et même les pasteurs. Making light of it. Prennent ça à la légère. It's true. C'est vrai. True or not true? Vrai ou faux? Yeah. Oui. One went to his farm. Un est allé à son champ. And another to his merchandise. I think with all my heart. Je dis, je with fais ça all my strength. Tout mon coeur, toute ma That's force. Why Orangus, I overcome them by moving on. When I see that you don't like me, you don't like my leadership, so I beg you, thank you. Be here, I also go here. Bye bye. Et c'est pour cela que les Orangus, je les surmonte avec toute ma force. Lorsque je vois que tu ne m'aimes pas, je continue d'aller de l'avant. Je continue. Toi, sois là, et moi, je vais. Yes. You see, some years ago, some pastors in Zurich became rebels. Some broke away, some broke away. Since then, the church has grown so. You see, you don't like my leadership. I beg you, be at where you want to be. I'm moving on. Since then, the church has grown. You see, as at that time, I didn't have even a member. One member in Botswana. Today, the last time I went for a camp meeting a couple of years, over 1,500 people were sitting there. You see, there are more people and more places to work hard than to follow people who are just gargling salt water. Vous voyez, c'est bien plus important de continuer à travailler dur et aller dans différents endroits que de se chamailler avec des personnes qui n'ont que ça à faire. For me, I take the ministry work seriously. Pour moi, je prends l'œuvre du ministère très au sérieux.
I have so much to do. J'ai tellement à faire. Yes. Oui. I have so much to do. J'ai tellement à faire. In about 15 years, I'll be 70 years old. Dans 15 ans à peu près, j'aurai 70 ans. You don't like me, I beg you. Please stand at the side so that donc I go si somewhere. Tu pas, I beg you. Va de l'autre côté et moi je continue de l'avant. Yes. You don't like me, be at the side and also be at one side. Donc si tu m'aimes pas, sois de ton we côté. We meet in heaven and discuss it. That's all. On se rencontrera au ciel pour en discuter. We meet in heaven to discuss whether who was right, who was wrong. It's okay. On se rencontrera au ciel. I've done it all my life. C'est bon. Je l'ai fait toute ma vie. They made light of it. Ils l'ont pris à la légère. It's not that he was full time. C'est pas qu'ils étaient à plein temps. You see full time ministry. Est-ce que vous voyez plein temps ici? No. It's just that they made light of it. So I want to say to all the young people. Donc j'aimerais vous dire, vous les jeunes, take it seriously. Prenez-le au sérieux. When my son told me what his uncle told me, I said, hey. Lorsque mon fils m'a dit ce que mon oncle m'a dit, j'ai dit. It's like, I mean, somebody is standing aside. C'est comme quelqu'un est au côté. And just look and say, you know, this church thing, just take it seriously. Et regarde et dit, mix it up. Cette chose d'église, prends-le Because au sérieux. He has seen people who are doing it not so seriously. Parce qu'il a pu voir que des personnes ne le prennent pas tellement au sérieux. And he's come to respect it. Et il est venu à respecter if you are doing it, do it seriously. So if you are a pastor in Switzerland, donc si tu es un pastor, take it seriously. Prends-le au sérieux. Take it, you'll be shocked. Tu serais choqué. When people die, lorsque les personnes meurent, that's when you see the things that they took seriously, which ones are important. C'est là que vous voyez les choses qu'ils ont pris au sérieux, ce qui était important pour eux. When Pastor Jimmy died, lorsque Pastor Jimmy est mort, it was probably one of the biggest funerals they have ever seen around. C'était probablement l'un des plus grands funérailles que nous avons jamais vu. Because he took the ministry seriously. Parce qu'il a pris le ministère au sérieux. And all of us, including myself, et tout le monde, moi-même y compris, who have been affected, qui avait été affecté, by the seriousness with which he took the ministry. The president, I, you see, we never mentioned, I didn't even see anybody from his work. I don't even know where he worked. I don't know if even one person came from his secular work. Je sais même pas si une personne de son travail séculier était venue au funérailles. Even here on earth, you start to see which one is même ici sur terre, important. Vous voyez ce how much fun when you get to heaven, you think they will tell you work at WHO. WHO, is he? When you are talking of important things, lorsqu'on parle de in choses heaven, importantes au ciel, honestly, sérieusement, it has no place at all. Votre travail séculier n'a aucune place. Entire nations don't exist that existed before. Des nations qui existaient auparavant n'existent plus aujourd'hui. How much more WHO? À combien plus fort? UN, it used to be called something of nations, League of Nations. League of Nations. Avant, les Nations Unies s'appelaient la Ligue des Nations. Yeah. Oui. They made light of it. Ils l'ont pris à la légère. It says there will be regrets. Et il a dit il y aura That's why I sang that song. I have another song. J'ai une autre musique. It's called If You Could See Me Now. Si tu pouvais me voir maintenant. It's a song of somebody who is in heaven. C'est le chant de quelqu'un qui est au ciel. Yeah. Oui. If you could see me now. Si tu pouvais me voir maintenant. Walking on the streets of gold, you wouldn't believe that it's me. Les routes de l'or. How I've become. Comment je suis devenu? Kabashakabaya. If you could see me now. Si tu pouvais me voir maintenant. Yeah. Oui. So, I want to leave you with this message. J'aimerais vous laisser avec ce message. You know, young people. Vous voyez les jeunes. Honor your father and your mother. Honorez votre père et votre mère. But sometimes you don't have to follow their laxity. Mais parfois il ne faut pas suivre leur and laxity. Their spiritual ways. Dans les choses spirituelles. When it's not a good way. Quand c'est pas une bonne but chose. But you have to honor them. Mais il faut bien sûr les honorer. Yes. There are people I honor but I don't follow their ways. Il y a des personnes que j'honore mais je ne suis pas leur voie. Honor is what is required. L'honneur est ce qui est demandé. But sometimes, mais parfois, you don't have to follow. Il ne faut pas suivre. You see, there was an old prophet who met a younger prophet. Vous voyez, il y avait un prophète plus âgé qui a rencontré un prophète plus jeune. And God had told the younger prophet, don't eat bread in Bethel. Et le Dieu avait déclaré au prophète plus jeune, ne mange pas dans cette ville. But the old prophet said, oh, eat. I've made prepare something. Mais le prophète plus âgé lui a dit, don't take it. Don't take it seriously. Don't take that word seriously. Et Dieu lui a dit, ne prends pas cette parole au sérieux. Ne prends pas ça au sérieux.
It cost him his life. Et ça lui a coûté sa vie. The old prophet there, he has already made his mark. Le prophète ancien avait déjà fait sa marque. You see, when you have crossed the age of 50, vous voyez, lorsque vous avez traversé l'âge de 50, you have most probably made your mark already. Whatever you do, probably you've done it. Vous avez probablement déjà laissé votre trace. Vous l'avez probablement déjà fait. Yes. Oui. 50 is a very funny age on earth. 50 ans, c'est un âge très drôle sur terre. Women by 50 stop having their periods. Vous voyez, à partir de 50 ans, les femmes cessent d'avoir leurs règles. It's a sign, c'est un signe, that they are no more fruitful. Qu'elles ne sont plus fertiles. Fruitfulness, even in nature itself teaches you that fruitfulness is up to 50. La nature elle-même vous enseigne que la fertilité est jusqu'à 50 ans, ou à peu près. After that, après ça, if you are around, it's nice. Si tu es là, c'est bien. It's true. C'est vrai. It's extra time. Yeah. Oui. That's why a lot of people even lose their zest for life. Et c'est pour cela même que beaucoup de personnes perdent un certain zeste. In the Bible, 25 to 50. C'est dans la Bible de 25 à 50. They were supposed to work in the temple of the Lord. Ils étaient censés travailler, œuvrer dans le temple du Seigneur. So, ministry is for young people. Donc le ministère c'est pour les jeunes. It's for young people. C'est pour les jeunes. Yeah. Oui. It's really for young people. C'est vraiment pour les jeunes. So I want to say to the young people, don't make light of it. Ne prenez pas à la légère. If your parents made light of it, si vos parents l'ont pris à la don't make light of it. Ne le prenez pas à la légère. Okay? Okay? And that's what Joshua's uncle was trying to tell him. Et c'est ce que l'oncle de Josué me dit, essayait de lui dire. Don't follow the people who've done it half. You must obviously have somebody in mind. Je suis pas ceux de moitié qui nous fait à moitié. He has somebody in his mind. He's thinking about somebody. Il devait certainement penser à quelqu'un. Like, he should take it seriously. Et il lui disait donc, and he also must have somebody in mind who took it seriously. Et il devait aussi avoir quelqu'un en tête qui l'a pris au sérieux. Yeah. Yeah. Oui. Because he's somebody that I used to advise to be debt free. Parce que c'était quelqu'un que j'avais l'habitude de conseiller but d'être sans dette. He didn't follow my advice. Mais il n'a pas suivi mon conseil. I told people to be debt free, but they didn't follow my advice. J'ai dit à des personnes d'être sans dette, mais ils n'ont pas suivi mon conseil. Can you imagine? I invite you, come to a wedding, and I say, oh, thank you. When I go this way, you just say, oh, don't mind. Let's go to the farm. Oui, vous pouvez imaginer, je vous invite à un mariage et vous dites, oh, non, pas de souci, allons au champ. Oh, it's serious. C'est grave. So you guys, I'd like you, all of you guys, donc vous tous ici, to come to, as soon as I tell you, everybody should go to his work. Find something better to do. Et vous dites, oh non, tout le monde doit aller à son travail et trouver quelque chose de mieux à faire. Parents. Les parents. Tell your children that you made light of it and that they shouldn't follow you. Dites à vos enfants in that regard. Dites à vos enfants que vous l'avez pris à la légère, yes, et que dans cet aspect ils ne doivent pas vous suivre. You know, vous savez, when my son Joshua was getting married, I prayed one prayer for him. Lorsque mon fils se mariait, j'ai prié une prière pour lui. Should I tell you the prayer that I prayed? Vous dire cette prière? I prayed that Lord, what I couldn't see. J'ai prié que Seigneur, ce que je pouvais pas voir. May he see. Qu'il puisse le voir. That must be the prayer of every true parent. Et ça doit être la prière de tout vrai what parent. I couldn't do, ce que je n'ai pas pu faire, do it. Qu'il puisse le faire. What I couldn't attain, ce que je n'ai pas pu atteindre, attain to it. Qu'il puisse y atteindre. What I couldn't achieve, ce que je n'ai pas pu accomplir, may you achieve it. Qu'il puisse l'accomplir. No parent, a genuine parent, then you are a false parent. I tell you, if you are not praying that prayer for your child. Si tu n'es pas un parent, si tu es sincère, tu prieras cette prière en tant que parent. When you are a parent, it's not about being perfect. It's about being honest. Quand tu es parent, that there are things you couldn't achieve. Quand tu es parent, c'est pas une question d'être parfait, mais c'est une question d'être sincère et dire qu'il y a des choses que tu n'as pas pu accomplir. There are things I haven't been able to achieve or attain to. Il y a des choses que je n'ai pas pu accomplir ou atteindre. I don't have to present myself as a perfect example of something which I haven't achieved. Je n'ai pas à me présenter comme l'exemple parfait de quelque chose que je n'ai moi-même pas atteint. So if you haven't, you didn't take the ministry to a certain level,
Pray for your child to take it to that level higher. Donc si tu n'as pas pu amener le ministère à un certain niveau, prie pour ton fils de ramener le ministère à ce niveau plus élevé. Look, my father. Vous savez, mon père wanted to play the piano. Voulait jouer au piano. He was sent to boarding school in Sierra Leone. Il a été envoyé à l'internat à Sierra Leone. And he needed 2 shillings to pay the piano teacher. Et il avait besoin de 2 shillings pour pouvoir payer le professeur de piano. But his guardian in Sierra Leone, Freetown, refused to pay the 2 shillings. Mais son gardien à Freetown avait refusé de payer les 2 shillings. My father loved classical music. Mon père aimait la musique. He would sit in the house and play. I never heard my father play high life or music with drumming. J'ai jamais entendu mon père jouer du hip hop. Never. Avec des batteries, jamais. De la batterie, jamais. C'était toujours de la musique classique. He knew everyone. This is Symphony Number 42 by Mozart. This is Beethoven. This is this. This is Bach. This is that. This are the music he used to play. This is the only music he played. He wanted to play music. Et il voulait jouer à la musique. But he said his guardian. Mais il avait dit que son refused gardien to avait refusé to take to pay. De payer ses deux. So when he donc lorsque lui became a father, est devenu père, he bought a piano. Il a acheté un piano. We have always had a piano in our house. On avait toujours eu un piano dans ma maison. And then he brought a piano teacher. Et il a aussi fait one of the best pianist in Ghana. Professeur de piano, l'un des meilleurs au Ghana. He came to our house every week, every day. This man, I've never grown up without seeing a piano teacher. Et il venait toutes les semaines à notre maison pour nous enseigner. J'ai jamais vu en grandissant ma maison sans professeur. And he explained. He said, when I wanted 2 shillings to pay, and this man wouldn't pay. So what I couldn't do. Et donc il expliquait que moi, I'm not petit, going to curse my children with that. Mais je n'ai pas pu, what je n'ai I pas couldn't mes do. Avec ça. May my children que mes enfants puissent achieve it. L'accomplir. And that is why. Et c'est pour cela que. And perhaps you can attribute to my father. Who is this? Qui est-ce? Is this Fifi? Yes. You play the piano, hein? Tu joues au piano, n'est-ce where pas? Where is Eddie, Pastor Eddie? Où est Pasteur Eddie? Is he? Where is he? You were telling me that he's very good. Tu me disais qu'il est très bon. You see, you somebody is saying you are very good. It's probably because of my father. Tu vois, quelqu'un te dit que tu es très bon, et c'est probablement à cause de mon church, père. The church teach all the children of the church. J'ai fait que l'église enseigne tous les enfants de l'église piano. À jouer au piano. Is it not true? N'est-ce pas vrai? All over. Partout. Always partout, let toujours. The children play. Il faut les enseigner à jouer au piano. What I couldn't do. Ce que je n'ai pas pu faire. You may do it. Vous pouvez le faire. And you guys are better pianists when I see them. Et vous êtes de très bons pianistes. Than me. Bien meilleur que moi. They know music more. Vous connaissez la musique. They know things. Bien mieux, ils connaissent. All church children play instruments. All. Tous les enfants d'église jouent aux instruments. It's a rule. If you're not doing it in your church, you are something wrong. C'est une règle. Et si vous ne le faites pas dans votre église, vous avez un problème. Je vous le dis. After service is piano lessons. Après le culte, c'est les leçons de piano. It comes from a reason. C'est pour une raison qu'on fait cela. Hein? What I couldn't do. Ce que je n'ai pas pu faire. Let them do it. So if you made light or you didn't take it so seriously. Donc si vous ne l'avez pas tellement pris au sérieux. You should tell your children. Vous devez dire à vos enfants. Take it seriously. Prenez-le sérieusement. Take it more seriously than I did. Prenez-le bien plus au sérieux que moi. Amen. Amen. Take it seriously. Prenez-le take it more seriously than I did. Bien plus que moi. I wish I had taken it more seriously. J'aurais voulu le prendre bien plus au sérieux. A man was dying. Un homme était en train de mourir. And he had 3 children in Lighthouse. Il avait, and all the 3 children were pastors. Il avait 3 enfants à Lighthouse qui étaient no, tous pasteurs. He had 3 children. Non, pardon, il avait 3 one enfants. One was a pastor. Un était pasteur. One was a lawyer. Un était avocat. And one was a doctor. Et un autre était médecin. And he was dying at a 37 hospital. Et il mourait dans un hôpital au Ghana. And he told his son. Et il a dit à ses enfants. You did the right thing. Il a dit à son enfant qui était pasteur, tu as fait he, la bonne he, chose. He was a UN diplomat. Et lui, c'était un diplomate des Nations Unies. He was a diplomat. So all the children donc, they tous les live enfants, in different countries. Ils vivaient dans des pays différents.
go here, go here, go here. Go ils allaient here, là-bas, ils allaient là-bas, ils étaient là-bas. But là-bas. He told his son, mais il a dit à son fils, you did the right thing. Qui était pasteur, tu as fait la bonne chose. To be a pastor. D'être pasteur. Is it not amazing? N'est-ce pas incroyable? So I beg you, because I see here a mixture of the young and the, but a lot of children. Parce que je vois ici qu'il y a un mélange, mais il y a aussi beaucoup d'enfants. And I'm speaking to the parents because I don't want when I leave, you say you're not allowed the First Love Church to work, or you inhibit what I'm saying. May you be careful if you do that. Et donc je parle aux parents. Je ne veux pas que vous empêchiez vos enfants de travailler dans l'église du premier rang. Rise up. Vous serez maudits si vous faites ça. And do more. Laissez les and don't block them. Et ne les empêchez pas. Yes. Oui. Don't block them. Ne les empêchez pas. Release them. Relâchez-les. Bless them. Bénissez-les. And tell them what I couldn't achieve. Et dites-leur que ce que j'ai in pas God, accompli, may you achieve it. Puisses-tu l'accomplir? What I wasn't serious about. Ce que j'étais pas sérieux may you avec. Be serious about puisses-tu it. Puisses-tu être sérieux avec cela? There will be weeping and gnashing. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. One went to his farm because the farm is more important. Un est allé à son champ parce que one le champ était plus important. One went to his merchandise because the merchandise was more important. Un autre à son trafic parce que le trafic était plus important. Be very careful. Faites très attention. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. You will eternally regret treating God's servants spitefully. Vous regretterez éternellement de traiter les serviteurs de Dieu avec mépris. Ça c'est numéro 2. Point number 2. Point numéro 2. What is point number 1? Quel est le point numéro 1? You will eternally regret making light of the call of God and the ministry. Le point numéro 1, vous regretterez éternellement d'avoir pris à la légère l'appel de Dieu et le ministère. Say God forbid. Si Dieu m'en garde. Yes, but you better say God forbid after each point because so that the point doesn't apply to you. Vous avez intérêt de dire Dieu m'en garde après chaque point afin que le point ne vous affecte pas. You will eternally regret making a light of the call of God and of the ministry. Vous regretterez éternellement d'avoir pris à la légère l'appel de Dieu et le ministère. Point number 2. You will eternally regret treating God's servants spitefully. Vous regretterez éternellement d'avoir traité les serviteurs de Dieu avec mépris. Verse 6. Verset 6. Look at it. Regardez bien le verset 6. And the remnant went further after making light of the ministry. The remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. Et les autres serviteurs, après qu'ils avaient pris à la légère le ministère, se saisirent des autres serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Hey! Hey! Somebody is inviting you to a wedding and you are killing him. Quelqu'un t'invite à son mariage et tu le tues? It's amazing. C'est incroyable. A good thing. Une bonne chose. Is received with the exact opposite. Une bonne chose est plutôt reçue totalement à l'opposé. You treated them spitefully. He took his servants. Outragés. And treated them spitefully. Il les saisirent et les outragèrent. Everyone who treats God's servant spitefully will have an eternal regret for doing that. Quiconque traite les serviteurs de Dieu avec mépris aura un regret éternel d'avoir fait cela. When you hear the word pastor, lorsque vous entendez le mot pasteur, apostle, prophet, prophète, reverend, apôtre, révérend, bishop, évêque, immediately you must cool down. Immédiatement vous devez vous calmer. You are a pastor? Tu es un pasteur? Oh. Please, can I help you? S'il te plaît, est-ce que je peux t'aider? Is there something I can do? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? You are a minister. Tu es un ministre. A minister. Tu es un ministre. God's servants. Le serviteur de Dieu. Whatever the color. Quelle que soit la couleur. From Catholics who are our fathers. Que ce soit les catholiques qui sont nos pères. To the least white garment priest, you don't know who is where he's doing. What is he doing? Jusqu'au plus petit prêtre habillé en blanc, quel que soit. Be careful. Faites attention of treating any of his servants
spitefully. Faites attention de traiter n'importe quel de ses serviteurs avec mépris. I've been treated spitefully in Geneva before. J'ai déjà été traité avec mépris à Genève. And Zurich. Et à Zurich. Yes. Oui. But they will regret it. Mais ils vont le regretter. It will be an eternal point of regret. Ça sera un point éternel de regret. I've been rubbish. J'ai déjà été réduit à. By different people. Par différentes personnes. Everything in the Bible is true. If it wasn't true, something that can happen, why would it be there? Tout dans la Bible est vrai. Si ça, si I don't only have people vrai, who treat me well. Ça ne serait pas I have là. People who don't treat me well. Je n'ai pas que des personnes qui me traitent and bien. And every pastor has people who mal. Don't treat you well. Et tout pasteur a des personnes qui le traitent mal. There are places when you mention you are a pastor, it is good for you. And there are some places when you mention you are a pastor, it can have the opposite effect. Et donc il y a certains endroits lorsque vous mentionnez que vous êtes pasteur, c'est bien. Mais il y a d'autres endroits où ça peut avoir un effet contraire. Even my children. Même mes enfants. They have different reactions. Ils ont des réactions différentes. There are times when one of my children was in school, they said, "Ha, your father is a pastor. Come and stand here and pray for us tonight. Whilst we are studying, we are learning. So you stand and face the wall and pray for us. Till tomorrow morning, you stand there." Il y avait certains qui avaient des réactions différentes de mes enfants lorsqu'ils étaient à l'école. Certains leur disaient, hey, toi, ton papa est pasteur, viens maintenant prier pour nous pendant qu'on révise pour nos examens. And there are people who have also met my children and said, your father is Bishop, whatever. You are my daughter. Can I help you in your exam? I help you in your school. I help you in your whatever. Et certains aussi, lorsque ils savaient your que. Your father is the one who wrote this book. Come. Let me help you. Many people do that. We have two different reactions. Et donc, il y avait deux réactions May différentes. You never treat God's servants spitefully. Que vous ne traitiez jamais les serviteurs de Dieu avec mépris. Never. Jamais. And that is why. Et c'est pour cela que pastors' children. Les enfants de generally pasteurs. Generally, all the children, but the pastors' children. Mais pas juste les enfants, mais les enfants de pasteurs. A source person. Oh, your child is your father. This person. Immediately, I become. Special. J'ai un petit point sensible pour eux parce que dès que je sais que ah ton papa True. Est le pasteur de ci ça ci, immédiatement j'ai quelque chose pour eux envers eux. Yeah, always. Oui, toujours. Because God's servants. Parce que les serviteurs de Dieu. Somebody who has tried to preach the word. Quelqu'un qui a essayé de prêcher la parole. It's special. C'est spécial. It's special. C'est spécial. Will always be special. Et il sera toujours spécial. Amen. Amen. Are you still around? Est-ce que vous êtes toujours là? You see, when you go to heaven. Working in the United Nations is not going to be that important. Voyez, lorsque vous irez au ciel, there are no nations travailler aux nations before you be united. Il n'y a même pas de nation avant qu'elle soit unie. There are no nations il y a même pas before de nation united. Avant même qu'elle puisse être unie. It will be Jesus or no Jesus. Ça sera Jésus ou pas Jésus. It will be those who preach, those who didn't preach. Ça sera ceux qui ont prêché et ceux qui n'ont pas prêché. And once you try to preach, et lorsque vous avez essayé de prêcher, you become God's servant. Vous devenez le serviteur de Dieu. Be careful. Faites attention. When you are talking about me, lorsque vous parlez be careful. De moi, I tell you, be careful. Je vous le dis, faites attention. It's not, I'm not that I'm special. No. Pas que je suis spécial. I'm nothing. Je suis rien. I know it. Je le sais. Yeah. Je, oui. But be careful. Mais for faites people attention. Who are trying de with critiquer. All their faults, they are trying to serve God. Be careful about Faites attention à ne pas mépriser les personnes qui essayent de toute leur force de servir Dieu. Is it clear? Est-ce clair? Yeah. For your own sake. Pour votre propre bien. For your own sake. Pour votre propre bien. Yeah. Oui. It says they treated his servants spitefully. Ça dit qu'ils traitaient, ils outragèrent les serviteurs. Yeah. Oui. Hey, hey. Number three. Numéro 3. You will eternally regret not preparing properly for the invitation. Are there people sitting outside? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont assis dehors? Is there a reason why you are outside? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes dehors? Is there a good reason why they are outside? Et c'est une bonne raison. Donc point numéro 3. Vous regretterez éternellement de ne vous être pas préparé correctement pour l'invitation. Preparation. And respecting, I would say preparing and respecting the invitation. Je dirais vous préparer et respecter l'invitation. Now,
Maintenant, verse 12. Verset 12. Or when the king came in, verse 11. Verset 11 plutôt. He saw a man who was not wearing a wedding garment. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à la table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. And he said. Et il dit. Friend. Mon ami. How? Comment? How did you come here without a wedding garment? Comment tu es arrivé ici sans habit de noces? You don't know that it's a wedding. Tu savais pas que c'est un mariage? You just came wearing your chalewote and your. T'es juste venu en portant tes claquettes. Bathroom slippers. Tes. And your shorts. Tes pantoufles et ton short. You wore your shorts to come to this wedding. T'es venu en short à mon mariage. Hey. Hey. You don't know that it's a wedding. Tu ne savais pas que c'était un mariage. And he was speechless. Et il ne pouvait rien dire. All the things in the Bible will happen. Toutes les choses dans la Bible. When they are happening, you see that you read it. It's happening exactly. Et vous verrez bien que ça arrive exactement comme ça a été écrit. Look, regardez. This thing, the wedding garment, it takes respect. You see, even when you are going to preach, sometimes I wonder when I told my pastor, one of my pastors, don't wear this. Wear something that is looks like you're respecting the preaching or the church. Cet habit de noces, ça parle de respect, se préparer avec respect. Et c'est de la même manière lorsque vous allez prêcher. Un de mes pasteurs, je lui disais, lorsque tu vas prêcher, porte cet habit, ça montre du respect. I told my pastor, dress well when you are going to preach. J'ai dit à mon pasteur, habille-toi correctement lorsque tu vas prêcher. Wear your whatever. Porte because ta cravate. You see people, they go to work. Wearing suits. Parce que vous voyez les personnes and so when they come to church, they just come wearing some slippers. Parce que lorsque des personnes vont au travail, elles portent des costards. Et soudainement, lorsqu'elles viennent à l'église, elles portent des patins. Yeah. Take it seriously. Oui, prenez-le au sérieux. So the dressing reveals how you are taking it seriously and how you are giving it a certain honor and respect. Donc l'habillement révèle votre niveau de sérieux et votre respect et votre honneur envers la chose. And you take the time to prepare. Et le fait que vous prenez le temps de vous préparer. Yes. Oui. Taking time to prepare. Le fait que vous prenez le temps de vous préparer. Yes. Oui. What do you think? Qu'en pensez-vous? Is it not fantastic? N'est-ce pas fantastique? Yeah. And when you take time to prepare. Et lorsque vous prenez votre temps pour vous préparer. You'll be honored. Vous serez honoré. Now you see pastors. Mais vous voyez des pasteurs aujourd'hui. They have the books. Qui ont les livres. You don't even read it. Mais ils ne le lisent même pas. You don't study it. Ils ne les étudient pas. Because you know, yesterday somebody said something. He said that when you are preaching from a book, if you prepare, when you are preaching, people don't even know what you are preaching. Vous voyez, quelqu'un me disait sometimes hier, they don't know until you even show them. Say, oh, this is it. Say, ah. Vous voyez, quelqu'un me disait hier que lorsqu'on se prépare bien pour lire le livre, les gens that's ne savent pas qu'on prêche du livre. Many times I preach from my book, people don't know what I'm saying. Beaucoup de fois, even now, you don't know what I'm preaching from my book. Beaucoup de fois, je prêche de mon livre et les gens ne le savent pas. Même maintenant, vous ne savez pas si je prêche d'un livre. It's true. C'est vrai. You don't know. You're not sure what I'm preaching. Vous n'êtes pas sûr de ce dont je prêche. Yeah. People don't prepare. Les personnes ne se préparent pas. A lot of pastors don't prepare with prayer. Beaucoup de pasteurs ne se préparent pas avec la prière. Any pastor who doesn't pray, I'll show you the sign. You see, what he's doing cannot grow. Quiconque, quel que soit le pasteur, je vais vous montrer le signe qu'il ne prie pas. Ce qu'il fait en fait ne grandit pas. C'est ça le signe. When you pray, lorsque vous priez, you become powerful. Vous devenez puissant. So when you speak, donc lorsque vous parlez, what you say, ce que vous dites, is more than words, est bien plus que des paroles. So sometimes that's why when you are powerful, you know, what you preach doesn't have to make sense. When it makes sense, it's a bonus. Vous voyez, c'est pour cela que quand vous êtes puissant, ce que vous prêchez n'a même pas besoin d'avoir du sens. Si ça a du sens, c'est simplement un bonus. C'est un bonus. It doesn't have to make sense. People will just say we are blessed. Ça n'a même pas besoin d'avoir du sens. Les gens seront tout simplement bénis. C'est puissant. Yeah. Yeah. Oui. And many have come. Initially, you didn't take it light, but when you were coming for the wedding, the necessary
things you need to do. Do you see? Et vous voyez beaucoup de It's like you have not followed through with a certain respect et vous voyez for God and for the work of God. And you just come wearing anything. You don't dress with the anointing, the mantle, with prayer. Look, me, I know pastors who don't pray. Vous voyez, moi je reconnais les pasteurs qui ne prient pas. I can virtually feel the prayerlessness around. They are like naked people. Je peux presque ressentir. How many can notice when somebody is naked physically? Combien d'entre vous peuvent reconnaître ou ressentir quand quelqu'un est tout nu? Physically, if you see somebody, the person is naked. Si vous voyez quelqu'un qui est tout nu, you can see that he's naked. Vous pouvez voir qu'il est tout nu. Spiritually. Et spirituellement aussi. The Bible says. La Bible déclare. And you know not that you are naked et vous and ne savez blind. Pas que vous êtes nu in Revelation chapter 2. Apocalypse chapitre 2. You don't know that you are naked, you are blind. Vous ne savez pas que vous êtes nu et aveugle. You are not dressed. Vous n'êtes pas habillé. Spiritually. Spirituellement. And you dress up with the anointing. Et vous vous habillez avec l'onction. You prepare. Et pour cela, il faut se préparer. With the word. Avec la parole. Soak in messages. En s'imbibant de messages. You read the Bible. Vous lisez la Bible. A lot of pastors, you listen to messages and say, "I'm going to preach. I'm going to preach what you preach." Beaucoup de pasteurs. Do you know how I prepared? Mais vous n'êtes même pas préparé. To preach before I came to preach. Do you think I just came to stand there? Beaucoup de pasteurs, vous écoutez simplement un message et vous dites, je vais préparer, mais vous ne vous préparez pas vraiment. I have a message, I have a lot of things that are prepared. J'ai beaucoup de choses avec lesquelles je me suis préparé avant de prêcher. Yeah. Oui. But people don't prepare. Mais les personnes ne se préparent pas sérieusement. Oh, today I'm preaching from this book. Aujourd'hui, je prêche de ce livre. Today I'm preaching this message. Aujourd'hui, je prêche ce message. You will be thrown out. Mais that's why churches are not. It's not that there are no people in Germany. Oui, c'est pas qu'il y a pas des personnes there en Allemagne. Il y a beaucoup. Who are those from France? Qui viennent de France? De France. Yes. Oui. Wow. Our church in Paris is growing. Notre église à Paris grandit. And it's going to grow even more. Et ça va grandir encore plus. All these people are from Paris. Toutes ces personnes viennent de Paris. So those from Geneva should stand up. Ceux de Genève doivent se lever. Geneva, you are. Look at you. Paris is now bigger than Geneva. Oui, Paris est maintenant plus grand que Genève. Oh, I'm imagining. Ou je suis en train d'imaginer. Look at it yourself. Regardez-le vous-même. People that have come from 3.5 hours of high-speed train. Des personnes qui ont pris un train à not three and a half. It will be about 6 to 7 hours high-speed train. Non, qui prend they are more than those heures. Who are just here. Sont bien plus que ceux qui sont juste à côté. Yes. Oui. It's amazing. C'est incroyable. Wow. Is it people don't take things seriously? Ouais, les personnes ne prennent pas les choses au sérieux. I say I'm coming for a camp. Moi, je dis que you je viens pour prepared. Un camp. It's like wow. We are going. We are doing this. We are doing that. We are doing. And even their pastor is not around. He's traveled. Et même leur pasteur n'est pas là, mais ils se sont préparés pour venir. You can see it. Vous pouvez le voir. You can see there's something. Vous pouvez voir la différence. You see what I'm saying? That if somebody is naked. Vous voyez ce que je dis, c'est que si quelqu'un as est a human being, do you notice it? En tant qu'être humain, est-ce it's que vous le remarquez? Noticeable things. C'est l'une des choses qu'on remarque. You can't ignore it. Vous devez le savoir. I mean, all this, you are from Paris. Vous venez de Paris? Wow. Je ne parlais pas français beaucoup. Dieu est blessed. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Is it really? You can feel it. Vous pouvez le ressentir. Lack of seriousness. Vous pouvez ressentir lack le niveau de sérieux, de préparation. Interest. Le manque de préparation, le manque d'intérêt. High speed train from Geneva to Paris is 3 hours 20 minutes. Voyez, un train à grande vitesse de Genève Paris, c'est 3 heures et demie. I know it. Je le sais. Before from Geneva to here. De Genève à ici.
It's another 3 hours. C'est un autre 3 heures. C'est 3 heures encore. Journey. Donc c'est un long voyage. It cost money. Et ça coûte de l'argent. They've come. Mais ils sont venus. You can see when people are not serious. Donc vous pouvez voir lorsque les personnes ne sont pas sérieuses. Pas sérieux du tout. And I've come here. Je suis venu ici. And you have brought your children to fill all the chairs. Et vous avez plutôt ramené. Meanwhile, you not allow them to preach and allow them to do the work too. Et vous avez plutôt ramené vos enfants. Brought them to fill the chairs and you not allow them to do the work. Vous avez plutôt ramené vos enfants pour remplir les chaises, mais alors que vous ne leur permettez même pas de prêcher. Vous les avez ramenés, mais vous les empêchez après de prêcher. It's amazing, isn't it? C'est incroyable, n'est-ce pas? Yeah. Oui. He said that. You see, you say I'm rich, but you know not that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Voyez, ça dit. And he turned round and said, "How come, friend, you came here? We're not preparing and taking it very seriously." Et donc il a dit à son ami, mais comment ça se fait que tu ne prends pas ça au sérieux et tu ne te prépares pas vraiment? Tu le regretteras. Tu le regretteras. You will regret it. Tu le regretteras. Yeah. Oui. Me, I take the ministry seriously. Moi, je prends le ministère très au sérieux. The work I'm doing is all my life. Ce travail que je fais, c'est toute ma vie. Yeah, it's oui. All my life. C'est toute ma vie. Anything that I'm doing, you see, like book writing. Par exemple, écrire des livres. Seriously. Je prends ça très see, au sérieux. Music. La musique. I pray of my talents. I pray about 12 talents. Je prie I have concernant about 12 de mes talents. J'ai 12 talents. I have about 12 talents. J'ai à peu près 12 talents. When I'm praying, et lorsque je prie, je prie concernant on each talent. Pour chaque, je prie concernant chaque talent. Yes. Oui. On each of them. Pour because if you have 5 talents, you are not going to be judged about 3. Parce que si vous avez 5 talents, vous ne serez pas jugé pour 3 talents. The one who was given 2 talents was judged over the 2 talents. The celui one who was given avait... 1, the one who was given 5, he was asked about all 5. Celui qui avait été donné 5 talents a été demandé pour les 5. You can't get talent and they will not ask you about it. Et donc it's not possible. Vous ne pouvez pas recevoir des talents so pour lesquels vous ne serez pas jugé, c'est pas possible. I pray about my talent. Et donc je prie concernant chacun de mes talents. Father, may I fulfill it. Père, I pray about it. Je prie concernant this cela. One, celui-ci, apostolic work of church le travail planted apostolique, Lord, I pray on it. Je prie concernant when cela. I come to music, lorsque ça vient à la musique, I'm supposed to do, ce que je suis censé faire, the songs I have to write, les musiques que je suis censé because écrire, the songs are teachings, they are teachings. Parce que les musiques, c'est des enseignements. I pray on it. Je prie concernant cela aussi. Anything that I see, the smallest talent, what has been given to me, I am on it. Peu importe I'm le talent, serious. Même s'il est très petit, je suis dessus et je le prends très au sérieux. When you see Aida singing, it's not a small project. Lorsque vous voyez Aida qui chante, anybody who pas knows un petit music, projet. You hear the song in 3 minutes. It's not a small thing. Peut-être que it's vous entendez a huge la musique. Project. Peut-être que vous entendez. Huge. Peut-être it's que... huge. Peut-être que vous entendez 3 minutes de la musique, yeah. Mais c'est un grand projet, un grand, when you grand, come grand to the projet. Control room. Lorsque vous venez à la tour de contrôle of the Healing Jesus campaign, de la campagne Jésus qui guérit, or even the first love church, I said you would think that we are launching a rocket. Vous pourriez croire qu'on est en train de lancer une fusée. The screens, the things that are being monitored, les choses qu'on the levels, the different things, les différentes choses. You would think that it's something that else. Vous pourriez penser que c'est quelque chose d'autre. If somebody doesn't tell you what it is, si quelqu'un ne vous dit pas, dit. That's why I tell you, I don't have time for business. Et c'est pour cela que j'ai pas le temps pour les I affaires. I don't do any business at all. Je ne fais pas du tout d'affaires. No, nothing. Non, zero. For me, the business, I don't do any at all, not even 1 second. Pour moi, les affaires, je fais pas. Even to rent a house, I don't have time to rent a house. Même louer une maison, j'ai pas le temps pour ça. Oh, I'm busy. Je suis occupé. When the Bible says, "Give thyself wholly." Lorsque la Bible déclare, donne-toi tout to these things. À ces choses. I have time to sleep. Over the last few days, I must have slept few hours. Les ces derniers jours, because j'ai after the meeting yesterday, quelques heures. I have to have another meeting. Parce que j'ai besoin d'avoir une autre réunion. I have to have it. Je dois avoir une autre at réunion. At least to about 2 a.m. At least. Qui finissent jusqu'à peut-être 2 heures du matin. See, at vous least. Voyez? You get what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? I'm always having meetings. J'ai toujours des réunions. You've just come in. Wear your shorts and your. Vous êtes simplement venu porter vos shorts. Friend, mon ami. How camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Your people have not prepared for me to come. Vous ne vous êtes pas préparé pour que je vienne. Yes. Vous ne vous êtes pas préparé correctement pour ma venue. I should have even rather gone to Paris. J'aurais plutôt dû aller à Paris. Or somewhere else. Ou quelque part d'autre. Yes. You have not prepared for me to be Parce que vous ne vous êtes pas préparé pour ma venue. Vous ne vous êtes pas préparé pour ma venue. You're playing games. Vous jouez à des jeux. When you are a leader, you know things. Si tu, by the tu... anointing. Before I came here, I came and transferred all the pastors around before I even stepped into the church. But it's like God knows already anyway everything. Yes. Avant que je suis venu, j'avais déjà fait quelques transferts et Dieu sait pourquoi j'ai fait cela. Because I don't come to Germany, it's like you don't see me in Germany that you wouldn't know. I don't come to Germany because you are not serious. Je viens pas en Allemagne. When you are serious, ah, pourquoi il vient pas? Je viens pas. You know, you know yourself that you are not serious. Vous vous connaissez vous-même que vous êtes pas sérieux. Oh, I'm not saying the truth. Ou je dis pas la vérité. I've made light of the ministry. Vous prenez le ministère à la légère. See, he that despises. Oui, celui qui méprise. Will also be lightly esteemed. Sera aussi de la même manière méprisé. Yes. Oui. When I was in America, at a point I told them, I said, don't take my visit lightly. Et lorsque j'étais aux États-Unis, à un moment donné, je leur ai dit, ne prenez pas ma visite à la légère. One day I went to England. I had a camp meeting. Un jour, je suis allé en Angleterre. J'ai eu un camp. I realized they took my meeting seriously. I've not been there for many years. Et j'ai réalisé qu'ils ont pris. That was it. Bye bye. Et j'ai réalisé qu'ils avaient pris ma visite à la légère. Et après cela, je suis plus venu pendant plusieurs années. It. Vous le respectez it will pas. Not respect you. Ça ne vous respectera pas. C'est tout. I've made a wedding. You are wearing shorts. J'ai fait un mariage. You are wearing not. You are wearing boxer shorts. Tu portes un caleçon. One day it was time for Galatians 6:6. Somebody gave me boxer shorts. And the boxer shorts, it was not even a pack. It was single one. Un jour, quelqu'un color blue. Galate 6:6 m'a donné un caleçon et c'était même pas un pack de caleçons, c'était un caleçon à la pièce. A very rich person. Une personne très riche. I don't know whether it was an accidental. Je sais pas si c'était or what. Un cadeau accidentel ou even at least a pack of. À la limite, un pack de caleçons. 3-1 ou 4-1. Par exemple, 3-1 ou 4-1. Mais c'était un caleçon à la pièce. Meanwhile, when they are giving money to political parties and so on, you see them, they'll come out $100,000, $500,000, $200,000. Alors que lorsqu'ils donnent de l'argent aux politiciens, vous voyez, ils donnent $200,000. When you don't respect something, that thing will also not respect you. Lorsque vous ne respectez pas quelque chose, cette chose aussi ne vous respectera pas. Simple. Simple. What do you think? Qu'en pensez-vous? Yeah. All right, sit down, my dears. Vous pouvez vous asseoir. He was speechless. Il était sans mots. All right. Okay. Eternal point of regret. Number one is what? Le point éternel de regret numéro un, c'est quoi? Hein? Hein? You will eternally regret making light of the call of God. Vous regretterez éternellement d'avoir pris à la légère l'appel de Dieu. Number two. Numéro 2. You will eternally what? Regret. Vous regretterez éternellement quoi? Not treating God's servants spitefully. Vous regretterez éternellement d'avoir traité les serviteurs de Dieu avec mépris. Say God forbid. Dites Dieu m'en garde. Say God forbid. Déclarez Dieu m'en garde. Number three. Numéro 3. Not what? Not what? Preparing. Ne vous êtes pas préparé. And respecting. Et respecter. The invitation. L'invitation. Amen. Prepare for. Amen. Préparez pour celle-ci. Respectez-la. Prepare for the camp meeting. Préparez pour le camp. Respectez le camp. Yes. Oui. I don't feel that you are prepared for this camp. J'ai pas l'impression que vous êtes préparé pour ce camp. And maybe that's why God kept me.
Et c'est peut-être pour cela que Dieu m'a gardé here, de venir. From getting here. D'être arrivé. For 2 days. I've never experienced it. I was actually coming here 1 day before. Pour normally, jours, I don't have such time. Pour I deux was jours, coming a day. Because I didn't want to disturb your Sunday. So even they didn't even know that I was coming. So I was sleeping. I slept at the airport 2 days, 48 hours. Et c'est peut-être pour cela que Dieu m'a gardé 2 jours à l'aéroport, parce qu'à la base, j'avais prévu de venir 1 jour plus tôt, parce que je ne fais pas ça généralement. God didn't even want me to come. Alors peut-être que Dieu ne voulait pas que je vienne, peut-être. They don't even want it. Parce qu'ils ne le veulent pas vraiment. Yes. Oui. Because it was not my doing. Parce que ce n'était pas de mon œuvre que j'ai été retardé. And I was apologizing to you. Et j'étais en train de présenter mes And excuses. Some of you were receiving the apologies. Et certains d'entre vous étaient en train de recevoir les excuses. When Jesus said, "I'm the Son of Man," you should have seen he's the Son of God. Lorsque Jésus When a I'm dit apologizing, je... you should have seen that. Oh, how can you apologize for something that is not your fault? Lorsque Jésus a dit que What does it have to do with you? C'est à vous de dire qu'il est le Fils de Dieu. Et de la même manière, lorsque j'étais en train de m'excuser, c'est à vous de dire comment peux-tu t'excuser? Amazing. Incroyable. Number four. Numéro 4. You will eternally, but say God forbid. Mais dites Dieu m'en garde. You will eternally regret being one of the many who are called, who did not become one of the few who are chosen. Vous regretterez éternellement de faire partie des beaucoup qui ont été appelés, mais de ne pas être parmi les peu d'élus. So he said, "Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment?" And he was speechless. You will eternally regret. You will eternally regret being one of the many called who did not become one of the few chosen. Et donc vous regretterez éternellement de faire part des beaucoup appelés, mais de ne pas faire part des peu d'élus. Amen. 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 Verse 13. Verset 13. And the king said, et le roi a dit, bind him, liez-lui les pieds, hand and foot, les pieds et les mains, take him away, cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors, verse, là où il y aura des pleurs et des grincements. Verse 14. Verset 14. Car there will be weeping and gnashing of teeth because il y aura des pleurs et des grincements de many parce are called, beaucoup sont appelés, but few are chosen. Mais peu sont élus. You must know vous devez that savoir que many are called by God. God always extends his hand to many people. Vous devez savoir que beaucoup sont appelés par but Dieu. In the end, parce que Dieu étend sa main it à beaucoup just de a personnes. Few people mais à la fin, il y a toujours très peu de that personnes look like they've been chosen by God. Qui, dont on a l'impression qu'ils ont été choisis par Dieu. You will regret it. Vous le regretterez. Because you say, ah, but I was also called. Parce que vous direz, mais j'ai aussi été appelé. But you made light of it. Mais vous l'avez pris à la légère. So in the end, it looks as if there are just few. Donc à la fin, ça semble comme s'il y avait peu de personnes. In Europe. En Europe. Never think that. Ne pensez jamais que God only called the UK. Dieu a seulement appelé l'Angleterre. If I go to the UK now, I can get over 5,000 people to si attend. Si maintenant je vais au Royaume-Uni, je peux avoir déjà plus de 5,000 personnes qui seraient présentes. Never think that oh, God only called the UK to. But oh, even in Germany, we could have 5,000 people. Ne pensez jamais que oh, Dieu a simplement appelé le Royaume-Uni. But you don't take it so seriously. En Allemagne aussi, on peut avoir 5,000 personnes, mais vous ne le prenez pas tellement au sérieux. Yes. Oui. Because I believe that Italy. If I told them if they are serious, in a year's time, we're going to have a camp with over 1,000. Yes. Parce que je disais en Italie camp que not s'ils sont très members, sérieux, those who will come to the camp. Je disais aux Italiens que s'ils sont très sérieux, il pourrait avoir 1,000 personnes qui viennent au camp, pas 1,000 membres, mais 1,000 personnes qui viennent au camp. Don't you see? You think that few are chosen, but vous voyez, it's not true. Vous pouvez penser que actually, many were chosen. Alors que beaucoup ont été appelés. A lot of girls who don't marry. Beaucoup de femmes qui ne se marient pas. Beaucoup de filles qui ne se marient pas. When you meet them, lorsque vous les rencontrez, point, you think that either maybe they were ugly. Vous pourrez penser que peut-être elles sont moches. Nobody liked them. Personne ne les aimait. No one proposed to them. Personne ne leur a proposé. But when you've been a pastor for some years, mais lorsque vous êtes pasteur depuis quelques années, people, de personnes, you see that many times people knock on the door and say,
Hello? Vous réaliserez que beaucoup de personnes knock à la porte. You like me? Ah, je t'aime, tu m'aimes bien? And she say, et elle dit, non. Your nose is like this. Ton nez est comme ça. Your mouth is like ta bouche est comme ça. Your eye is like this. Tes yeux sont comme ça. You are like this. Tu es comme ça. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? You are too short. Tu es trop court. Tu es trop petit. Wow. Wow. But you find out with time. Mais vous découvrirez avec le temps. That actually. Que en fait. Many people came knocking. Beaucoup de personnes sont venues toquer à ces vers ces few ces there are few girls who don't have opportunities. Il y a très peu de filles qui n'ont pas de opportunités. You know, one day a sister said to me, a sister said, no one has proposed to me before. Un jour une sœur m'a dit, personne ne m'a jamais demandé en mariage. But usually. Comme d'habitude. Somebody will like you. Quelqu'un t'aimera. Unless you don't talk at all. Sauf si tu parles pas du tout. One of the most beautiful things about you as a girl is how you talk. L'une des choses les plus belles, magnifiques avec toi en tant que fille, c'est comment tu parles. If you talk, si tu parles, you'll be nice. Tu seras belle. You don't need to have a special hairstyle. Même si tu as une coupe spéciale, talking makes you nice. C'est parler qui te rend belle. You see, I'm preaching. What am I doing? Am I giving you food? I'm talking. Vous voyez, là, je prêche. Est-ce que je vous donne de la nourriture? Non, je parle. Talking makes you attractive. Et parler te rend attirant. How you talk and what you say. Ce que tu, comment tu parles et ce que tu dis. So keep talking. Donc continue de parler. It's just on the side. C'est juste sur le côté. Yeah. Hey. Hey. Many. Beaucoup. But few. Mais peu d'élus. One day I saw a sister. Un jour j'ai vu une sœur. I told her. Et je lui ai dit. 14 people proposed to you. 14 personnes t'ont proposé. She said me. Elle a dit moi. Never. Jamais. I said count. J'ai dit compte. When she counted, she was ashamed. Elle avait honte. 14 A1 brothers. 14 frères à 1. 14. It was exactly the number c'était that I said. Exactement 14 A1 frères brothers. À 1. And she was standing there as if no one liked her. Et elle se tenait debout comme si personne ne l'aimait. But each brother that came said, "Oh, how?" Mais chaque frère qui venait, elle disait, "Oh, comment?" You are my brother. How can I marry my brother? Comment je peux t'épouser? Comment je peux épouser mon frère? You are my friend. How can I marry my good friend? Tu es mon ami. Comment je peux épouser mon bon ami? So, donc, listen to me. Écoutez-moi. In conclusion. En conclusion. You're gonna regret. Vous allez regretter. Many opportunities, but les nombreuses like opportunités que vous avez eues. Few people had. It's as if God called Bishop Richard to be in whatever. God called Bishop Doug Heward Mill. God called Benny Hinn. C'est and God didn't call me. It's not true. C'est comme you're going to find out when you get to heaven that you had the same call as Benny Hinn. C'est comme si you find out you had the same call as T.L. Osborne. You had the same call as this. You had all same calls. What? And I turned out into this. C'est comme si, oh, Dieu a simplement appelé l'évêque Richard, Dieu a simplement you regret appelé Zad, Dieu a simplement appelé Bénin. You et peut-être que vous avez le même appel que Bénin et vous découvrirez au ciel so, que vous avez eu le même appel que Bénin. Vous le regretterez. I want to encourage you. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. You know, vous savez, many are called. Beaucoup sont appelés. And decide to be one of the few. Alors décidez de faire partie des peu d'élus. Almost every time I do an altar call, a lot of people are how you are standing here. À chaque fois que je fais un appel au salut, beaucoup de personnes se tiennent debout comme vous l'êtes ici. Many people beaucoup de personnes come to the front, viennent devant. But in the end, it's like few people are believers. Mais à la fin, c'est comme si très peu deviennent vraiment des croyants. Because between many are called, parce qu'entre beaucoup and sont appelés few are chosen, et peu sont élus, there are tests. Il y a des tests. Until you become few. Jusqu'à ce qu'on arrive à peu d'élus. But you are going to pass all your mais tests. Vous allez passer tous les tests. Now there are many young people here. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes ici. Between the many young people, entre les beaucoup de jeunes, and in some few years' time, dans plusieurs années, we may be seeing fewer and say these ones are the ones that God called, not true. On pourrait peut-être penser dans quelques années qu'on verra beaucoup de jeunes que ah c'était seulement ceux qu'il avait appelés, mais then, pas vrai. Il en avait appelé beaucoup. Then the exam started. Mais les examens ont ensuite commencé. Test. Les tests. Tests. Two tests. Deux tests. Or three. Ou trois. One, you'll be tested. Un, vous serez testé. Your marriage. Premier test, votre mariage.
Yes. Oui. Marriage. Le mariage kills a lot of callings. Tue beaucoup d'appels. If you can marry and still be called. Si vous pouvez vous marier. You see, all the girls, a lot of girls love God. Voyez toutes les filles ici. Me, if I was God, I would choose girls before boys. Voyez, moi, si j'étais Dieu, je choisirais les femmes avant de choisir les hommes. A lot of girls like, they like God. Parce que beaucoup de filles aiment Dieu. It's true. C'est vrai. True or not true? Est-ce vrai ou faux? If I was God, I would also donc like si j'étais Dieu, girls. J'aimerais aussi les filles. Because they really like God. But see, the problem is who you marry. Mais le problème c'est qui vous épousez. If you marry a beast, si vous épousez une bête, the beast may not allow you to go to church. La bête peut-être vous empêchera d'aller à l'église. The beast may be against you. La bête sera peut-être contre votre appel. Going to church. Et votre aller à l'église. Yeah. Oui. You get it. Vous comprenez. So three tests. Donc trois tests. One that make many are called few. C'est trois tests qui mènent à ce qu'il y a beaucoup d'appelés à peu d'élus. Un, le and premier test, le mariage. Brothers et les frères going to marry, qui vont se marier. Instead of marrying a person that is compatible, au lieu d'épouser une personne qui est compatible, you don't want somebody who is compatible. Vous ne voulez pas quelqu'un qui est compatible. You want somebody you don't know. Vous voulez plutôt quelqu'un que vous ne connaissez pas. When you see the person walking, say, quand vous voyez la personne qui marche, vous dites pleasant curves. Des formes plaisantes. Buxom. Un bon buxom. There is somebody who will like you and who you will like and you will be at home. There will be no quarrels. Il y aura quelqu'un qui t'aimera. There are people like et that. Et que tu aimeras, avec qui tu vivras à la maison, there's il n'y aura aucune querelle. Somebody that you can stay with. Just normally and peacefully. Quelqu'un like avec qui tu peux rester normalement, paisiblement, une frère, un frère et une sœur okay together. Qui sont juste OK ensemble. There's no special problem. Il n'y a pas de problème en particulier. May you find such a person. Puissiez-vous trouver une telle personne. In Jesus' name. Au nom de Jésus. So when you are thinking of getting married, donc lorsque vous pensez just à vous marier, look around. Regardez autour. She's right somewhere there. Elle est quelque part ici. All the years when you are relating with somebody, you know the person really. Toutes les années, don't lorsque marry vous interagissez avec quelqu'un, woman. Vous connaissez vraiment married? La personne. N'épousez don't pas marry, une femme étrange. Don't marry strangers. N'épousez pas des étrangères. Proverbs chapter 5, 6, Proverbes 7, chapitre 5, 6 à 7, tells us, 17. My son. Ça dit, mon fils. Keep my words. Garde mes paroles. It will keep you from a stranger. Ça te protégera d'une étrangère. Not from the devil, from a strange woman, d'une étrangère, une étrangère. He used the word stranger. If you like, Google the word stranger in the Bible. See stranger, Proverbs 6 or 7. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur Google le mot étrangère. C'est Proverbes 5 ou 6 ou 7. You know. Il faut épouser quelqu'un que vous connaissez. Yeah. Oui. So that would be the first. The second test. Et ça c'est is le your, premier test. The second test that makes it look as if few are chosen. Le deuxième test qui fait que on a l'impression que peu sont appelés. Your personality test, temperament. C'est votre test de personnalité, votre tempérament. Yeah. Oui. Is it phlegmatic? Vous voyez les phlegmatiques. They are lazy. Ils sont paresseux. They don't want to move. Ils ne veulent pas but bouger. When you are spirit controlled. Mais lorsque vous êtes d'un tempérament you contrôlé rise, par le Saint-Esprit, you rise above. Vous vous élevez au-dessus du phlegmatisme. Melancholics. Les mélancoliques. They are too strict. Ils sont trop stricts. But when you are anointed, mais lorsque vous êtes oint, you rise above being too strict. Vous élevez au-dessus du fait d'être trop strict. Cholerics. Les colériques. They are. Ils sont trop wicked. Trop méchants. Yes. Do you see? Est-ce que vous voyez? But when you are anointed, mais lorsque vous êtes oint, you rise above the wickedness. Vous vous élevez au-dessus de la méchanceté. And you are filled with love. Et vous êtes rempli d'amour. Isn't it? N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. And then, et ensuite, Proverbes 7, verse 5. Put it up. Proverbes chapitre 7, verset 5. Proverbes 7, verse 5. Proverbes chapitre 7, verset 5. It says that they may keep thee from the strange woman, pour from the stranger. Which flattereth with her words. Ça dit pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. When a new lady walks into the church with lorsqu'une nouvelle femme marche waving, dans l'église, waving the bottoms all over the place. Qui bouge ses fesses partout.
always remember. Souviens-toi toujours. Tell yourself, woman, you are a stranger. Femme, tu es une étrangère. There are normal church girls around here. Il y a des filles d'église normales ici. I'm going to marry one of the normal church girls, not these strangers. Je vais plutôt strange behaviors. Épouser une femme d'église, pas ces from étrangères the avec une attitude étrange. God will keep you from the strange woman and from the stranger. Ça dit Dieu vous préservera de la femme étrangère et de l'étrangère. Yeah. Now. Maintenant. What was I saying? Qu'est-ce que je disais? Personality. Le test numéro 2, le test de la personnalité. It is the other thing that ends ministry. C'est aussi quelque chose qui met fin au ministère. Phlegmatics are lazy. Les phlegmatiques sont paresseux. They don't work hard. Ils ne travaillent pas dur. Melancholics les mélancoliques are too strict, sont trop stricts. So they don't flow well. Et ils ne coulent pas facilement. Cholerics can be wicked. Les colériques peuvent être méchants. And rude. And colerics can have a tendency to be orangus. Et les colériques aussi ont pour tendance de devenir des orangus. Yes. Yes. Maverick. Oui. They become mavericks and orangus. Ils deviennent des orangus. Yes. A phlegmatic is less likely to be an orang. He hasn't got effort or energy to be an orangus. Un phlegmatic like, I mean, a moins de chances de devenir too much un orangus. C'est trop it's de travail de devenir un orangus. An orangu. C'est trop de travail, trop d'effort pour devenir un orangus. I'm okay as I am. There's too much hard work to be an orangus. Il y a trop de dur labeur pour devenir orangus pour un phlegmatique. And sanguins. Et les sanguins. They are happy people. Ils sont toujours heureux. They will run to the front. They will say amen, but they won't do anything. Ils courent devant pour dire amen, mais ils ne feront rien. They are happy with everything, but that's all. It's just happiness. Mais c'est juste être content. So, being anointed. Donc être oint. Being anointed. Être oint. You see that it affects your temperament. Vous verrez que ça that your temperament is now under control. Que maintenant votre and the negative parts don't destroy your call. Et les aspects négatifs ne détruisent plus votre appel. That's why few are chosen. Few are chosen. Et c'est pour because cela que of marriage, temperament. À cause de un, le mariage, and then number three, et numéro 3, diligence. La diligence. You're not hard working. Vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille dur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille dur. Seriously. Vous ne prenez pas la chose au sérieux. That's what he's showing here. C'est ce qu'il nous montre ici. Don't take it seriously. Vous ne le prenez pas au sérieux. So God is going to bless you. Donc Dieu va vous bénir. To take it seriously. Pour le prendre au sérieux. Amen. Amen. Please go back to your seats. S'il vous plaît, re-allez à votre place. Point number one. Point numéro un. Eternal point of regret. I want you to mention the eternal point of regret. J'aimerais que vous mentionniez. And say God forbid after. J'aimerais que vous mentionniez le point de éternel de regret et ensuite vous déclarez Dieu m'en garde. Numéro un. Eternal point of regret number one. Le point éternel de regret numéro un. Vous regretterez éternellement d'avoir pris à la légère l'appel de Dieu et le ministère. Dieu m'en garde. No, let the French people say it with you. Tell them to say it with you. On va le dire ensemble. Donc le point numéro un, le point éternel de regret numéro un. Vous regretterez éternellement d'avoir. God forbid, how do you say? Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Dieu mon garde. Number two. Numéro 2. French. Les Français, le point de regret éternel numéro 2. Dieu mon garde. Now, maintenant, point number three. Point numéro 3. You will eternally regret doing what? Vous regretterez éternellement quoi? God forbid. Not preparing. Vous ne vous êtes pas préparé. Not preparing for and respecting the invitation. Ne vous êtes pas préparé et de respecter l'invitation.
You'll regret not preparing. Vous regrettez de ne pas vous être préparé, ne pas avoir lu la Bible, praying, ne pas avoir prié, not working on ne pas it. Avoir travaillé. Just coming in casually. Simplement venir de comme si c'était rien. Yes, you regret not. Vous le regretterez. Look at people when they are getting going to have a wedding. Voyez les personnes lorsqu'elles vont avoir un mariage. The effort they put in to prepare for the wedding. Les efforts qu'ils investissent pour préparer leur mariage. By that, one woman is changed into a different person. C'est une femme à un mariage qui est totalement transformée en une personne différente. Or if not notice that people change. Vous n'avez pas remarqué qu'au mariage les femmes changent. You meet the person after, I say, you are who, please? You are who? Ah, tu es qui? Tu es qui? You are who? Tu es qui? Are you? Est-ce que tu es? So I am. Oh oui, je suis. Is it the same person? Est-ce que c'est la même personne? You had long hair. Tu avais des longs cheveux. You have no hair. Et maintenant tu n'as plus de cheveux? So much preparation. Tellement de préparation. And you didn't prepare. Et vous ne vous êtes pas préparé. You just walk in. Vous êtes simplement venu. Said, just as I am. Comme je suis. When Joseph was called by the king. Lorsque Joseph a été appelé par le roi. He shaved. Il s'est rasé. He shaved. Il s'est rasé. He was going to see the king. Il va voir le roi. Yes. Oui. People stop shaving. Les personnes arrêtent de se raser. Yes. Oui. When they lose respect. When I became an usher. Lorsque je suis devenu pasteur. The pastor told us shave. Lorsque j'étais pasteur, le pasteur nous disait rasez-vous. You want to work here in the church? Si vous voulez travailler ici dans l'église, vous devez vous raser. Don't come scruffy. Ne venez pas avec un peu de barbe. Yeah. Oui. People are serious. Les personnes sont sérieuses. That all these air hostesses, they make them look so pretty. You see them in real life. Les hôtesses de l'air, ils les font tellement belles, mais vous devriez les voir dans la vraie vie. Number 4. Numéro 4. Who did not become one of the few chosen? Numéro 4. God forbid. Say it again. Dites-le encore, numéro 4. Wow. Do you think God only called lighthouse churches, UD churches, to only do well in Italy and England? Pensez-vous que Dieu a seulement appelé les églises de lighthouse I think he called us to do well in Spain, je ne pense in pas. Germany, je pense qu'il veut qu'on réussisse in en Slovakia, Espagne, en Slovaquie, in Czechoslovakia, en Tchécoslovaquie, in Ukraine. En Ukraine. He called us to do well in all these countries. Il nous a appelé à réussir dans tous ces pays. But we have not done it. Mais on ne l'a pas fait sérieusement. Not done it. On ne l'a pas fait sérieusement. Hein? Hein? We've not done it. On ne l'a pas fait. But we can do it. Mais vous pouvez le do faire. Better. Are we going to do better? Est-ce qu'on va faire mieux? Don't think of anybody's members. Think ne pensez of pas salvation, pure salvation. Ne pensez pas aux membres de quelqu'un d'autre. Pensez au salut pur, salut pur. It takes people talking to about 6 or 7 times before they get saved. Ça demande parfois de parler à 6 à 7 personnes avant qu'elles soient sauvées. So sometimes the person has received 5 speakings. You are number 6. Pardon, and then somebody else talks for the 7th time. And he gets saved. Donc, that's why a lot of time when we talk to people, they don't come to church. Because ça, it's only stage 2 or stage 3 or stage 1. Ça it takes many efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. But when you do a lot, then God starts to give you a lot of stage 6 and stage 7 people to finish off. But usually, people have already talked to the person. So even though the person says, you led me to Christ, you are just the last person.
Ça demande souvent de parler beaucoup de fois à une personne avant qu'elle soit sauvée. Généralement, il faut lui parler 6 à 7 fois. Alors parfois, lorsque vous êtes en évangélisation, vous vous faites refuser beaucoup de fois. Mais lorsque vous continuez à aller et à aller, Dieu va vous donner beaucoup de personnes à qui vous êtes à l'étape 6. Vous êtes la 6e personne à leur parler. Et c'est pour ça qu'elles donnent leur vie à Christ. Stand up. Levez-vous. Tell somebody. Dites à quelqu'un. No weeping. Pas de pleurs. No gnashing. Pas de grincement. For me. Pour moi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Lift your hand and ask God to guide you. Et demandez à Dieu de vous conduire. Thank you, Father. Merci, Père. For the blessing. Pour la bénédiction. You give to us. Que tu nous donnes. Thank you. Merci. For guiding us. De nous avoir conduits. Leading us. De nous avoir dirigés. Blessing us. De nous avoir bénis. We pray in the name of Jesus. Nous prions au nom de Jésus. We pray in the name of Jesus. Priez au nom de Jésus. We pray in the name of Priez Jesus. Priez au nom de Jésus. Pray in the name of Priez Jesus. Priez au nom de Jésus. Guide us, Lord. Conduis-nous, Seigneur. Lead us, Lord. Conduis-nous, Seigneur. Guide us, Lord. Dirige-nous, Seigneur. That we shall not regret. Qu'on n'ait pas de regrets. Our time in Switzerland. Notre temps en Suisse. Look at me, everybody. Regardez-moi, s'il vous plaît. One day, un jour, I met somebody from Geneva. J'ai rencontré quelqu'un de Genève. And the person didn't have any money. Et la personne n'avait pas d'argent. But he has worked here for years. Mais il avait travaillé ici pendant beaucoup d'années. Mention the salary. Mentionnez le salaire. So many thousands. Tellement de milliers. You know yourself how vous much. Vous connaissez combien vous gagnez. I said where. Et j'ai dit why. Pourquoi? And he said I regret. Et il m'a dit je regrette. You know, vous savez, people earn $100 or 100 francs a month. Certaines personnes gagnent 100 000 dollars ou 500 000 dollars. And less. 100. Ou peut-être moins. 100, pardon, 100 50 dollars, francs. Ou 50 francs. So one day, un jour, you may look back. Vous pouvez regarder en arrière. Ah, I had so much. Et vous dire, ah, j'avais Where tellement. Many people look back and say, you know, in that time, if I had thought about this, I'd known I would have done better. Beaucoup de personnes regardent le passé et se disent, si j'avais fait cela, j'aurais fait mieux. It's trying to help you that this time is a special time. You better take it seriously. One day you may not even be here. Parce que Dieu veut vraiment que vous compreniez que ce temps ici, c'est un temps spécial. Yes. Oui. I know people who used to earn 10,000. Je connais certaines personnes. Are earning 300 qui gagnait 10 000, qui maintenant gagne 300. And et there, some of them are even okay in the with the 300. Certains sont maintenant même 10,000. Okay avec les and 300. And I wonder that. So when I had so much, what was I thinking about? Donc on se demande, mais à quoi réfléchissais-je quand j'étais à ce temps où je gagnais 10 000? Just as you can regret your financial life one day. Tout comme tu peux aussi you may regret your spiritual life one day that you had such opportunities. Tout comme tu peux regretter ta vie financière. The man was regretter ta vie spirituelle. The man was begging you. L'homme le suppliait. Encouraging you. Il l'encourage. Take your time here seriously. Prends ton temps ici sérieusement. So be careful. Donc faites attention. You know, it's not really a regret, but when I look back. When I was a student, my father gave me more money than when I started to work. C'est pas vraiment un regret, mais quand je regarde mon père lorsque j'étais étudiant, me donnait beaucoup plus d'argent que lorsque j'ai commencé à travailler. J'étais plus riche. I could have bought. J'aurais pu acheter. Very expensive. Property. I mean, they are now expensive, but at that time they were not. It was just a forest. J'aurais pu acheter de très des terrains très chers. Enfin, ils sont très chers maintenant, mais ils n'étaient pas aussi chers à ce temps-là. But I didn't know. Mais je ne savais pas. Please know. S'il vous plaît, sachez. Last night. La nuit dernière. From my window. De ma this fenêtre. This is a beautiful place, huh? Un endroit magnifique. I saw Jupiter. J'ai vu Jupiter. So big and so clear. Tellement grande et last si claire. Night. So I decided to look at Jupiter till I slept. Donc j'ai décidé de regarder Jupiter jusqu'à ce que je m'endorme. I'm trying to see if I can see the moon. The moon around Jupiter is bigger than the Earth. Je voulais voir les lunes qui tournent autour de Jupiter parce qu'elles sont même plus grandes que la Terre. Four of the moons we can see. Il y a 4 lunes qui tournent autour de Jupiter qu'on peut voir. Yeah. Oui. And I was thinking all these years. Et je me disais toutes ces années. I've been looking into the sky, but I never saw all.
I never saw all this. Et j'avais jamais vu toutes ces choses. What is it? I didn't know. C'était quoi? En fait, I didn't je savais think pas. About it. Je ne connaissais pas ces choses. Hein? Hein? So God is saying, you know. Donc Dieu dit, vous savez. Bringing your knowledge. Il vous ramène cette connaissance. Be aware. Soyez conscient. Now. Maintenant. Don't go back and I regret. I regret the way I live. Ne continuez pas pour regretter et dire j'aimerais retourner. And do some more. Et faire plus. Yes. Oui. You know, I don't want to ever go back. Vous savez, je ne veux jamais when I'm out devoir of here, retourner. Don't wake me up. I'm gone. Quand je serai mort, I'm ne me done. Réveillez pas. Je suis parti. Don't try to raise me. N'essayez pas de me ressusciter. Bye bye. Je suis parti. Au revoir. I'm giving all I have. J'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'ai. There's nothing left to give. Il y a rien d'autre Anything à donner. I could write, I'm writing. Tout ce que je peux écrire, j'écris. Yeah. Oui. Anything I can give, I give. Tout ce que my je peux money, donner, je donne. My life, my children, ma everything. Pensée, ma vie, mes enfants, tout. Yeah. So I hope you will not regret. Donc j'espère aussi que vous n'aurez pas de regrets. I hope that j'espère what, que what you've written on your ce que vous avez décrit sur votre t-shirt. Weeping, pas de pleurs, no nation, pas de grincement, no regrets. Que vous n'ayez pas de regrets. Nanaya. Nanaya. Huh? Hein? Do you think you regret? Penses-tu que tu regretteras? Tell us the vision you had. Dis-nous la vision que I tu like avais. I like your vision. La vision que tu avais. I think I slept and woke up. I had a dream one night, and in the dream I had. That time I was studying in school, so I had a dream that I had finished. And some workmen came and then they put a plug in front of my house. What you are doing actually disturbs and actually disrupts. It doesn't help, actually. It goes against. You get it? Thank you. Yes. So, the next thing I saw was that I had appeared in heaven, and then there were a lot of people who were rushing towards me. You had appeared in heaven? Yes. You've been to heaven before? No. In the dream, it was a dream. So the people were rushing towards me, and then they were trying to ask me. It's like they were expecting me to have done something. So that, to have done something on earth? Yes. So they were asking me, some were like, why didn't you do that? Some were like, what were you doing? I mean, everybody was rushed, they had rushed to surround me and everybody was asking. So I was trying to push them back and then explain to them that it's not that I didn't want to do, but there were issues and things that were going on. So as I was trying to solve those issues, then I appeared. So that is why I was not able to. But they wouldn't listen. So they were just harassing me. Did they want to beat you? I won't say beat, but like they were. Everybody was jumping aggressive. You were about to be beaten, isn't it? This man has had a dream that he was about to be beaten in heaven. Donc, le frère an arrival. Le frère racontait qu'il a eu un rêve, il a eu une vision où il est arrivé au ciel et une foule s'accourait vers lui et lui demandait pourquoi n'as-tu pas fait ça, pourquoi n'as-tu pas fait ça. Et il essayait de leur expliquer qu'il n'avait pas pu faire ça pour le Seigneur parce qu'il avait différents soucis, différents problèmes qu'il devait régler. Hey. They were rushing on you. Et il s'accourait yes, vers sure. lui. And you were telling them they should take their time. Yes, because I was also trying to explain from my point of view. Et donc il essayait de leur dire de prendre leur temps parce que it wasn't that I didn't want to do what they were expecting me to have done. Parce qu'il voulait expliquer de son point de vue que c'était pas qu'il voulait pas faire les choses qu'il devait faire. There were things that happened that did not allow me to. Il y avait des choses qui ont do what they were expecting me to. Qui sont arrivées qui m'ont pas permis de faire ce qu'ils voulaient que je fasse. Do you know this has confirmed one of the points that I made, that the last point. Vous voyez ça, ce rêve confirme l'un des points que j'avais partagé, le dernier point. You will eternally regret being one of the many who are called, who did not become one of the many. Ça confirme this ce man, point que vous regretterez éternellement de faire partie des nombreux qui ont été appelés, mais qui ne sont pas devenus les peu d'élus.
This man is just like William Booth. His vision is like the dreams and the vision of William Booth. Et la vision de cet homme, le rêve de cet homme correspond exactement à la vision que William Booth a eue. The founder of Salvation Army. Le fondateur de l'armée du salut. His vision is as powerful as the vision of William Booth. Sa vision est aussi puissante que la vision que William Booth a eue. It's not only William Booth who received the call. Nana Yao also received the same call. C'est pas seulement William Booth qui a reçu l'appel, mais Nana Yao a reçu le même appel. So you are one of the many. Donc tu fais partie. When William Booth died, even the queen attended his funeral. Lorsque William Booth est mort, même la reine est venue à son funérailles. 40,000 people attended his funeral. 40,000 personnes étaient présentes à ses funérailles. Yes. Oui. He was so great. Il était tellement grand. He helped so many people. Il a aidé tellement de personnes. And it was these visions that he had that made him serve God. Et c'est les visions qu'il a eues qui l'ont poussé à servir Dieu. And you are having, and even the word you use, that's what reminded me of when you said, I was on earth, then I appeared. He was saying there were so many issues, and I appeared in heaven. Et tu vois même les mots que tu as employés, c'est ça qui m'a rappelé la vision de William Booth. Tu disais que j'étais sur terre et j'ai réglé tellement de problèmes, et soudainement je me suis retrouvé au ciel. Wow. Wow. So. Donc. When all of us will appear. Lorsque nous tous nous apparaîtrons. And there you are. Et là tu te trouves immédiatement. What will happen when you qu'est-ce qui arrivera quand tu arrives? Qu'est-ce qui you will never regret in Jesus' name. Tu ne regretteras jamais au nom de Jésus. Father, I thank you for everyone who is hearing your word today. Père, je te remercie pour May tout le monde never qui regret, entend ta parole. Qu'on n'ait jamais de regrets. Never regret and qu'on never jamais regret de regret. Our time in Geneva, our time in Zurich, our time in Germany, our time in France, our temps en France, in notre temps en Zurich, Austria, notre temps en Allemagne. May we never regret qu'on n'ait jamais de regrets, Seigneur. Thank you for this blessing. Merci pour cette bénédiction. Jesus name. Au Amen. Nom de Jésus. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now yesterday I gave you some envelopes. Hier je vous ai donné des enveloppes. Give me one of the envelopes. Donnez-moi l'une des enveloppes. Oh, just I want to take a special offering this morning. J'aimerais prendre une offrande spéciale ce matin. Yeah, I just want to hold some ball. Have you got your envelope? Est-ce que vous avez vos enveloppes? Have you got your envelopes? Vous avez vos enveloppes? Beautiful. Magnifique. Now, I want us to give a special offering towards Healing Jesus campaign. J'aimerais qu'on donne une offrande spéciale Amen. Pour la campagne Jésus qui guérit. And I believe that God is going to bless us mightily. Et j'ai foi que Dieu va nous bénir puissamment. Amen. Amen. Now, maintenant, sit down, please. Everybody sit down. Tout no monde one walking, assis. Nobody doing anything. Tout le monde assis. Tout le monde assis. Personne Everybody ne fait rien. Everybody just sit down. Tout le monde assis-vous. Hello. Allô. Sit down, please. Hello. Sit down. Assieds-vous. Amen. All right. Okay. Now, yeah, no more filming. Oui, plus I believe that Healing Jesus campaign, 100 million souls. J'ai foi que la campagne Jésus. Those of us in Europe. 100 millions d'âmes, ceux d'entre nous en Europe. You know, when I was in America, more than 2,000 people registered to be Ben MP partners. Vous savez, lorsque j'étais already, aux États-Unis, plus de 2,000 personnes se sont enregistrées pour devenir des partenaires. You see, Europe, you mustn't be left out. Vous voyez, l'Europe, vous ne devez and pas you être mustn't mis be de somewhere. Côté. Vous ne devez pas être somewhere. Yes, you must fight on to be present. Vous devez continuer combattre pour être présent. Amen. Amen. And press on. A lot of evil spirits here. Et persévérer parce qu'il y a beaucoup de mauvais esprits ici en Europe. And as you are here, et alors que vous êtes ici, you're giving votre don, and you're supporting votre don et vos support, votre support Healing Jesus campaign, de la campagne Jésus qui of guérit, evangelism. De l'évangélisation. You see, to me, it is more important for you to you personally win souls than even to give money. Pour moi, c'est beaucoup plus important anything. Que vous gagniez personnellement des âmes que de donner de l'argent. Because you first give your heart before you give your money. Parce qu'il faut d'abord donner son cœur avant de donner son argent. So that is why I'm even share. You can see that what's on my heart because we finished it. I'm just taking an offering and we are going. What is on my heart is what I've shared with you. It's not even the money that you give. If that was on my heart, I would be talking about that all the time. But that's not what's on my heart. Et vous voyez que vraiment je partage ce qui est sur mon cœur. Et ce qui est sur mon cœur, c'est ce que je partageais. Et c'est pas vraiment une question d'argent. I will be 10,000 times more joyful to see that you walk in truth and you win souls personally than even giving money. Money, you see, God doesn't need you and he doesn't need your money. I mean, this is so true.
Je serai 10,000 fois plus joyeux si vous gagnez personnellement des âmes que vous donniez votre argent, parce que Dieu n'a pas besoin de votre argent. To give is your opportunity. Donner est votre opportunité. Is your blessing. C'est votre bénédiction. To be a part of something wonderful. De faire partie de quelque chose. That one too, if you don't do it, you will regret. It's a lower one, but you will regret it still. Amen. Amen. So I want us to give. When I was in Italy, so many people gave. Donc j'aimerais qu'on donne. Quand j'étais en Italie, tellement amazing. De personnes ont donné. You were standing there. C'était incroyable, n'est-ce pas? Yeah. And other people from other countries didn't give anything because they said it was not their camp. Et d'autres personnes de d'autres pays n'ont rien donné parce qu'ils disaient que c'était pas leur camp. Wow. Give me envelopes. Donnez-moi une enveloppe. So, just one envelope. Everybody already has an envelope. Father, thank you for the opportunity to give beautifully and powerfully. Père, merci pour l'opportunité de donner puissamment. In Jesus' name. Bénis-nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. I want us to give just a special gift one time. Why? Because there are so many expenses that need huge payments. J'aimerais qu'on donne tous ensemble seulement un seul paiement. And many of the payments are made in Europe. Il y a tellement de dépenses for the crusade that happens in Africa. Il y a tellement de dépenses qui sont nécessaires pour les croisades et ces dépenses même sont en euros. A lot of our equipment is made in Europe. Beaucoup de nos équipements sont faits en Europe. Amen. Did you know that? Est-ce que vous le saviez? Did you know that? Yes. Vous le saviez? Oui. A lot of equipment. Beaucoup de nos here. Équipements. Well, we don't make things in Africa. On ne fait pas les choses en Afrique. Merci. That's another topic. Ça, c'est un autre sujet. So, donc, I believe that. J'ai foi que. Do you think that those of you here can do better than Italy? Pensez-vous que vous ici peuvent faire mieux que l'Italie? I'll tell you if you do better than Italy. Je vous le dirai si vous faites mieux after. Que l'Italie. Après. Amen. Amen. So. Donc. Let us give. Donnons. And I believe that we are going to be blessed. Amen. Et j'ai foi que nous serons bénis. Amen. So I believe that we are going to give specially and say, here is Swiss francs. Donc j'ai foi qu'on va donner Euros. Spécialement en disant voici des francs go suisses, and des evangelize. Euros pour l'évangélisation. And God's going to bless you. Et Dieu va vous bénir si vous le faites. Now let me just give you one little piece of advice. Maintenant laissez-moi vous donner if un petit conseil. If you ever want to choose. To give to one thing. Si vous voulez choisir un jour de donner à quelque chose. Always choose evangelism. Choisissez toujours l'évangélisation. If you have options. Si vous avez des options. Why? Pourquoi? Because parce there que is nothing that changes God's mood. Il n'y a rien qui change l'humeur de Dieu. Makes God happy. Qui rend Dieu heureux. Than comme, a lost soul coming to God. Comme une âme perdue qui revient so à Dieu. So if you have your offering to the man of God, you want to give an offering to the church. You want to give an offering to an orphanage. You want to give an offering to what are the other things you can give? Donc, si vous avez l'option de donner une a building project. Dieu, à l'église, and à you want to give an offering to evangelism. You can only si choose one. Choose evangelism. De donner à l'évangélisation. Choisissez l'option de l'évangélisation. It's the heartbeat of God. Parce que c'est le cœur de Dieu. All the others are related to soul winning, but toutes les autres, bien sûr, sont more liées direct. À gagner les âmes, mais c'est pas directement la chose. Amen. Amen. Father, bless everyone that gives part of this offering. Père, bénis tout le monde qui donne pour cette offrande. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I want 50 people. Je veux que 50 personnes. Who are going to say, man of God, I want to give 5,000 euros or 5,000 Swiss francs. Je veux 50 personnes qui vont donner 5,000 as a one-time special offering. En tant qu'un paiement direct. To help healing Jesus campaign. Pour aider la campagne Jésus qui guérit. To come for my envelope. Donc, pour que ces 50 personnes viennent pour mon enveloppe. Wow. Wow. You are blessed. Tu es béni. Give me more envelopes. Donnez-moi davantage d'enveloppes. I want 50 people. 50 personnes. To do that. Qui vont faire ça. I want to give a special offering. Qui vont donner une offrande spéciale. Wow. Wow. You are blessed. Tu es béni. That's Keziah's father. Ça c'est le père de Kesaya. Did you see her on Good Friday singing? Est-ce que vous l'avez vu à Vendredi Saint qui chantait? Elle chantait. Little Kesaya. La petite Kesaya. Yes, that's her father. C'est son père. You see now? Vous voyez? All right, beautiful. Magnifique.
Anybody else? Quelqu'un d'autre? Tell your neighbor, I know it's going to be you. Dis à ton voisin, je sais que ça sera toi. Who's going to give? Qui va donner? 5,000 as a special offering. Qui va donner comme offrande spéciale? Wow. Wow. God bless you. God bless you. Que Dieu te bénisse. I want to repeat it. Je vais le répéter. If you have to choose, si tu devais choisir between giving an offering entre to donner me, une offrande to the church, pour donner to une building, offrande à l'église, to orphanage, à un orphelinat, to this, always choose if you have only one. Choisissez toujours si choose evangelism. Un choix, I will advise you. L'évangélisation. I will advise you. Je vous conseillerais cela. It's better. C'est bien mieux. It makes God's mood. Ça happy. Change l'humeur de Dieu. More ça rend Dieu content. To the soul winning. Lorsqu'on donne pour gagner des âmes. Amen. Amen. Now, the bill we are paying now is 300,000 euros for a small piece of equipment. La facture I don't want qu'on to paye bother you with the detail. Pour un petit équipement coûte 300 000 euros. Just here. Un petit équipement. Europe. Juste là. En euros. It's even more. C'est même plus que 300 000. So this is, it does nothing. Donc ces petites choses que vous donnez, ça ne change pas vraiment grand-chose. So, but you know when you see them, you say, a lot of money. Lorsque vous entendez, vous pouvez croire, oh, beaucoup d'argent. What do you think? Qu'en pensez-vous? There are four people have come, and I believe 46 more people are coming. Il y a quatre personnes qui sont venues, et j'ai foi que 46 autres peuvent venir. I wanted 50 people. Je voulais 50 personnes. Wow, wow. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Hein? Germans. Les Allemands. All right. D'accord. Tell your neighbor, neighbor. Dis à ton voisin, voisin. I thought you were going to go. Je pensais que tu allais aller. But if you're not going to go. Mais si tu ne vas pas aller. I hope there'll be no weeping and no gnashing about that. J'espère qu'il y aura pas de pleurs et de grincements. All right. You cannot okay. give 5,000. Vous ne pouvez pas donner 5,000. I believe maybe 50 people can give. 2,000. J'ai foi que au moins 50 personnes. You really need to do better than the Italians because you are all so many countries together. Vous avez vraiment intérêt à faire mieux que l'Italie parce que vous êtes plusieurs pays rassemblés. And you are not near the Italians. Et vous n'êtes pas proche même des Italiens actuellement. But I believe that 50 people can give 2,000. Mais j'ai foi maintenant que 50 personnes. How much is a ticket to somewhere? Combien coûte un billet pour quelque part? To your original. Si vous vouliez retourner à votre pays d'origine. Some of your countries. Certains right. de vos pays d'origine. How much is a ticket? Combien coûte un billet? 1,400. Isn't it? N'est-ce pas vrai? So when I say 2,000, is it so fantastic? Donc quand je dis 2,000, est-ce tellement I'm fantastique? Extracting blood or something. Que c'est comme si vous transpiriez du sang. So I want 50 people who can give 2,000. Donc je veux 50 personnes qui peuvent donner 2,000. To come for my. Actually, this is. I will call this a ticket. En fait, j'appellerai cette offrande un billet. Be blessed with a ticket to somewhere from the Lord blessing you. Sois béni avec un billet de quelque part pour aller quelque part. It's a ticket. Be blessed. Sois béni. It's a ticket. C'est un billet. It's a ticket. C'est un billet. Be blessed. Sois béni. Come back. What's your name? Quel ton nom? Matilda. Matilda. Father, thank you for Matilda. Père, merci pour Mathilda. Amen. I need envelopes. J'ai besoin d'enveloppes. Wow. Wow. Hey. Hey. Who am I seeing? You are blessed. Tu es béni. Be blessed. Sois béni. Tell somebody. Dis à quelqu'un.
I'm surprised you haven't moved yet. Je suis surpris que tu ne t'es pas encore déplacé. I'm speechless. Je suis sans voix. Put up the scripture, and he was speechless. Remettez le verset et il était sans voix. Speechless. Sans voix. Hein? Germans. Les Allemands. Wow. Now. Maintenant. How many people came? No, sit down, sit down, sit down. Sit down. You see, this is a missionary in Zambia. C'est un missionnaire en Zambie. He's rather getting up to give. C'est lui maintenant qui se lève pour donner. Sit down. That's not, it's not true. I was in America, a widow came to us. I told her, go back. J'étais aux États-Unis, une veuve voulait venir. Et je lui ai dit, non, va t'asseoir. Yeah. You see? Vous voyez? What is your responsibility is your responsibility. Ce qui est ta responsabilité est ta responsabilité, responsibility. Pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. But see, when you are a good person, you feel in your heart that I have to join this. Mais lorsque tu es quelqu'un de bien, tu ressens que non, je dois donner. This is the time. When I went to America, they gave what they had. Lorsque je suis allé aux États-Unis, ils ont donné ce qu'ils ont. Et ils ont donné proprement. Yeah, it's your turn to do something. Et maintenant, c'est votre tour I'm de faire quelque chose. England, I'm asking everybody, help it. I told you, it's 100 million souls healing Jesus campaign. No, if you don't want to give, if you don't come, just coolly stay away in the house. Nobody will. Et j'avais dit que je suis venu pour la campagne pour gagner 100 millions d'âmes. Si vous ne voulez pas donner, ça ne sert à rien même de venir à ce camp. God bless you. Amen. Donnez et Dieu vous bénira. All right. OK. Now. Maintenant. 1,000. 1,000. Swiss, anything thousand. By the way, it's your currency, whatever your quelle currency. Quelle que soit la monnaie. Thousand, euro, pound, que ce soit l'euro, les livres. Swiss. Le franc suisse. 1,000. 1,000. Can I have 50 people? Est-ce que je peux avoir 50 personnes? Come and take. Venez. 50. 50. Oh, don't go back. I'll pray for all of you. Ne retournez pas, je vais prier pour vous tous. This is a special offering. C'est une offrande spéciale. Write on it. No weeping, no gnashing, 100 million souls. Écrivez dessus, pas de pleurs, pas de grincements, 100 millions d'âmes. Beautiful. Magnifique. No weeping. No gnashing. Pas de pleurs, pas de grincements. 100 million souls. 100 millions d'âmes. No weeping. Pas de pleurs. What's your name? Quel Stella. Est ton nom? No gnashing. Pas de grincements. Let me pray for you. Laisse-moi thank you, Jesus, for your blessing, Lord. Merci Amen. Jésus pour ta bénédiction. Somebody asked, why do you pray for some people? You don't pray for. Quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi tu pries pour certains et pas pour d'autres. As the Spirit leads. C'est l'esprit qui conduit. No weeping, no gnashing. Pas de pleurs, pas de grincements. Beautiful. Magnifique. You are blessed. Tu es béni. This is who? Clementine. Clementine. Yes. Father, thanks for your blessing. Père, merci pour ta bénédiction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Don't go back. I'm going to pray for everybody. Ne retournez pas à votre place. Hello, young man. Salut, jeune homme. Mehdi. Mehdi. Wow. Wow. Mehdi. Mehdi. Be blessed. Sois béni. Am I getting 50 people here? Est-ce que j'ai 50 personnes? This is who? C'est qui? Oduro. But did you didn't come for the meeting yesterday? Mais tu n'es pas venu hier pour la réunion. Not a pastor. Des pasteurs. Wow. Wow. Are there some Germans here? I just saw one. Je viens de voir un Allemand. I'm seeing some few Germans. This is Diana. Je vois plus plusieurs Allemands. Ça c'est Diana. Are you doing all the homework that we're giving? Yes. All right. Glory be to God. Gloire à Dieu. Who is that? Now, put up the speechless scripture. Maintenant, remettez le verset qui look at the scripture. Regardez and le verset. Tell your neighbor who is sitting by you. Neighbor, et dis à ton voisin, I am speechless. Voisin, je suis sans voix. Speechless. That you are not involved. Que tu n'es pas en Dieu. Que tu n'es pas impliqué, pardon. Wow. Wow. Father, Père, bless everyone. Bénis tout le monde who is beautifully giving qui donne in the work of God. Pour l'œuvre de Dieu. And et whatever they give, quoi que ce soit qu'ils donnent, multiply it back to them. Multiplie-le pour eux. Remember them in their darknesses and difficulties. Souviens-toi d'eux dans les moments de ténèbres et de difficultés. Bless them, et de lutte. Bénis-les. Remember them. Souviens-toi pray, d'eux. Pray.
Je prie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You may go back to your seat. Vous pouvez retourner à votre siège. Now. Wow. Give me. You cannot give 1,000, but you want to give 500. Please write on your envelope. No weeping. S'il vous plaît, écrivez sur votre enveloppe. No gnashing. Pas de pleurs, pas de grincement. Take out your 500. You want to give. You don't have 1,000, but you have 500. Mais vous voulez donner 500. Rush on me and let. Courez vers moi. Make sure that I fall down by the time you rush. Assurez-vous que je tombe même d'ici là que vous êtes venu. Don't go back to your seat. Ne retournez pas à vos places. Ne retournez pas à vos places. You want to give 500 of whatever currency. Vous voulez donner 500, quelle que soit la monnaie. 500 euros, 500 euros, 500 francs, 500 livres, dollars. Whatever. Once quoi que ce soit. 500. Can somebody help me to give out the envelope? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner, pour donner les enveloppes, évêque Richard? I give it to you myself. You want me to give it to you myself? Vous voulez que je vous le donne moi-même? Don't help me, please. Ne m'aidez pas, s'il vous plaît. I'm giving out blessings. Je donne des bénédictions. I'm giving out blessings. Je partage des bénédictions. I'm giving out blessings. Je partage des bénédictions. I'm giving out blessings. Je partage des bénédictions. God bless you, my darling. Que Dieu te bénisse, ma chère. Be blessed. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Sois béni. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Be blessed. Sois béni. 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 Anybody else? Quelqu'un d'autre? Wow. Wow. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Sois béni. Let me pray for you. Laisse-moi prier pour toi. Francisca, all right? Francisca. Francisca. Thanks, Jesus. Merci, Jésus. Pray. Nous prions. Thank you. Merci. For your help, your pour blessing. Ton aide. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Who else? Qui d'autre? Be blessed. Sois béni. Write on it, Healing Jesus Campaign. And I want to. Écrivez dessus. I'm going to ask you to just pay it up immediately. God is going to bless. Je vais vous demander de payer ça immédiatement. Are you doing better than Italy? Est-ce que vous allez faire mieux que l'Italie? I don't know if you have reached. Have they reached up to Italy? Est-ce qu'ils ont déjà atteint le niveau de l'Italie? Non. So far, no, you have not reached the standard of Italy. Ils n'ont pas encore atteint le standard de l'Italie. Doesn't have United Nations workers and all this. Et l'Italie, ils ont même people pas des personnes qui travaillent aux Nations Unies. C'est des personnes qui travaillent à des ports. They have done better. Et ils ont so fait mieux than this. Que vous. Swiss and whatever United vous, Nations. So far, jusqu'à maybe présent. By the end, I don't know. Peut-être qu'à la fin, on verra que vous avez mieux but fait. But that's amazing. Et c'est incroyable quand même. Next year, we are eating pizza in. Italy. L'année prochaine, on va manger des pizzas en Italie. Special pizza. Des pizzas spéciales. Wow. Wow. The young man, powerful. Jeune homme, puissant. Father, bless these people. Père, bénisse ceux-ci. Oh God, what they are giving, Lord. Oh Dieu, ce qu'ils donnent. Giving out of their struggles. Leur lutte. They are working hard every day. Ils travaillent dur tous les jours. To work every day. Travailler dur. They are taking out of all this hard work. Ils prennent de tout ce dur labeur. Placing it in your in front of you, Lord. Et le déposent devant toi. Altar. Bless. Devant ton autel. Bénis. Remember them. Ressouviens-toi d'eux. Soften things for them. Adoucis les choses make pour things eux. Easier for them. Rends les choses faciles pour help eux. Them, Lord. Aide-les, Seigneur. To do better. Pour mieux faire. And help them in their marriages, et aide-les in their dans lives. Leur mariage. In their darkness, dans leur moment de ténèbres, for light to appear. Que la lumière puisse let apparaître. Light appear. Que la lumière puisse light apparaître. Appear. La lumière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hey. Hey. You are blessed. Tu es béni. Our church in Paris. Notre église à Paris. Is going to be one of the biggest churches in Paris. Sera l'une des plus grandes églises à Paris. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Fantastique. Fantastique. Now, you don't have 500. Vous n'avez pas 500. But you want to give 200. Mais vous voulez donner 200. 200. I want you to come for my. J'aimerais que vous veniez pour mon enveloppe. It's a special offering for Healing Jesus Campaign. I'm sorry. C'est une semence spéciale pour la campagne Jésus qui guérit.
DVDs and all that, but next time j'aurais voulu vous montrer des DVD et tout ça, mais la prochaine fois on fera ça. We didn't have so much time. On n'a pas eu tellement de temps. Be blessed. Don't go back to your seat. Soyez bénis, ne retournez pas à votre place. As a special gift. C'est un don spécial. Amen. Amen. Wow. Wow. Beautiful. Magnifique. Beautiful. Magnifique. Beautiful. Magnifique. Beautiful. Magnifique. Be blessed. Soyez bénis. This is not 100. Ça c'est pas 100. 200. C'est 200. Five of you giving 200 is equal to 1,000. Cinq d'entre vous qui donnent 200 équivaut à 1,000. Art students, I'm sure you can do that calculation. Les étudiants d'art, je suis aussi sûr que vous pouvez faire ce calcul. 5 times 2 is 10, isn't it? 5 fois. Who doesn't have? 2, c'est 10. 5 times 200. 5 fois 2 égale 10. What a blessing. Quelle bénédiction. Even those who are art students are même ceux qui sont étudiants d'art calculate such a calculation. Peuvent faire un tel calcul. Be blessed. Soyez bénis. Is that you? Wow. Wow. Jesus. Jésus. Beautiful. Magnifique. Now, if you are a child, maintenant, si vous êtes un enfant, right, I want you all the children to join this offering. And your parents are here and go and ask them for money. Tell, look, I want money to give. J'aimerais que tous les enfants rejoignent aussi cette offrande. Et vos parents sont là, vous pourrez leur demander de donner. Maybe 100 or something. Vous pouvez donner peut-être 100 ou quelque chose. Who else doesn't have? Qui d'autre n'a pas? Beautiful. Magnifique. You are blessed. Tu es béni. Amen. Amen. Father, Père, I pray for these people. Je prie pour ceci. Remember, Lord. Souviens-toi, Seigneur. Remember, Jesus. Souviens-toi, Jésus. Bless them, Lord. Bénis-les. Help their efforts. Aide leurs efforts. Let them be promoted this year. Qu'ils soient promus en cette année. Let them go forward, Lord. Qu'ils puissent aller de l'avant. Give them marriages and husbands, wives. Donne-leur des époux, des femmes, des maris, un mariage, la vie, la guérison. Let it be imparted to them. Que tout ça leur soit communiqué. Thank you for remembering our prayers. Merci de te souvenir de nos prières. For all these ones, Lord. Pour tous ceux-ci, Seigneur. Thank you for your power. Merci pour ta puissance. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. God is remembering all your efforts. Dieu se souvient de tous vos efforts. Work, toutes vos and dures labeurs. Going to add his strength to your hand. Et il va ajouter sa force à votre in Jesus' name. Main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. If you have these things already and you want to put it in, si vous avez déjà cet argent, vous pouvez déjà les mettre ici. Give us a basket. Maybe you want donnez-nous to just un panier, s'il vous plaît. Away. Put it on the stage right here. Mettez-le sur l'estrade ici si vous l'avez déjà l'argent. Beautiful. Magnifique. Have more people. Davantage de for personnes. Your daughter? Wow. Have I gone to 100 already? Est-ce que je suis déjà allé à 100? I want those who want to give 100. Je veux que les personnes qui veulent donner 100 viennent. And take my envelope. Et prenne mon enveloppe. Just line up right here. Alignez-vous juste ici. Ask Bishop Richard, help me, and Bishop Kwaku to help me to give out the envelope. Évêque Richard, évêque Kwaku, aidez-moi à donner les enveloppes. This is special for Healing Jesus campaign. C'est spécialement pour la campagne Jésus qui guérit. No weeping, no gnashing. Pas de pleurs, pas de grincements. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Help me to give out the envelopes, otherwise. Aidez-moi à donner les enveloppes, we are getting too late now. On va finir trop tard. You need two, why not? You can vous have avez two. Besoin de deux, pourquoi pas? Beautiful. Magnifique. Beautiful. Magnifique. Bishop Michael, also help me to give Évêque out Michael, envelopes. Si tu peux aussi nous aider. Beautiful. Magnifique. You are blessed. Can I have some envelopes, please? Est-ce que je peux avoir des enveloppes? But yesterday I gave you envelopes. Mais hier, je vous ai donné des enveloppes. Do you have your envelopes already? Est-ce que vous avez vos enveloppes déjà? Ah, so you don't even need my envelope. Ah, alors ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mon enveloppe? Huh? That envelope is there, right? Cette enveloppe est là-bas. Lift up your hands. Levez vos mains. Bless everyone as we give, Lord. Bénis tout le monde alors que nous donnons, Seigneur. Remember everybody giving $100. Souviens-toi de tout le monde qui donne $100, 100 euros, 100 francs. Bless them, Lord.
Bénis-les, Seigneur. Let them go forward. Qu'ils puissent increase, aller de l'avant. Multiply their seed sown. Multiplie leurs semences. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Go back to your seat. Vous pouvez retourner à vos sièges. You cannot give 100 but you want to give 50. Vous ne pouvez pas donner 100 mais vous pouvez donner 50. This is the last special offering is 50. Special 50. Come. C'est la dernière offrande spéciale, 50. Come. 50. You can ask even all the children can get a special offering of 50. Les enfants peuvent donner une offrande spéciale de 50. Yesterday you all had envelopes, isn't it? So lift your hand up. Let me pray. Vous avez tous reçu une enveloppe. Alors levez Father, vos mains. Father, bless these who are giving 50 Père, bénis Swiss francs, 50 50 euros, francs, 50 pounds, 50 euros, dollars. 50 livres, remember 50 them mightily. Puissamment. Let them be blessed in a special way as they give. No weeping, no gnashing, pas de no pleurs, regrets. Pas de pas de to healing Jesus campaign. Alors qu'il donne pour la once campagne it's done, Jésus it's done for eternity. Une fois que c'est fait, c'est fait once pour it's done, it's done for eternity. Une fois que c'est fait, c'est fait pour once l'éternité. It's done, it's done for une eternity. Fois que c'est fait, c'est fait pour l'éternité. Once it's done, it's done une fois for que eternity. C'est fait pour l'éternité. In Jesus name, I au pray. Nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Those you may go back to your seats. Vous pouvez retourner those à vos who sièges. Are giving 5,000 and 2,000, I didn't pray for you. Come. Let me ceux qui ont donné 5 000 et 2 000, je n'ai pas prié pour vous, venez pour que je puisse prier pour vous. Je n'ai pas prié pour vous, venez. Come, let me pray for you. Venez, je vais prier pour vous. 5,000, 2,000, 5,000, 2,000, venez pour que je prie pour vous. Father, I pray for these people that are giving specially. Père, je prie pour ceux-ci qui donnent spécialement. Lord, remember them specially. Seigneur, souviens-toi d'eux spécialement. Remember them specially. Souviens-toi d'eux spécialement. And answer the prayers that I pray concerning their secrets. Et réponds à leurs prières qu'ils prient concerning hidden things, Lord. Les choses cachées. Things that are complicated. Les choses qui sont compliquées. Things that have no solutions. Les choses qui n'ont pas things de solutions. That have no answers. Les choses qui n'ont pas de answer réponses. Them, I pray. Réponds pour eux, Seigneur. Make a miracle. Cause make un miracle. A blessing. Une bénédiction. Make an answer. Donne une réponse. And let their seed not be in vain. Que leur semence ne soit pas in en vain. Jesus name, au I nom pray. De Jésus, j'ai prié. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. And everyone said amen. Et tout le monde déclare amen. God bless you. Que Dieu thank vous bénisse. Wow. Wow. Now, maintenant, everybody take out your final offering for this camp meeting. Tout le monde sortez votre dernière offrande pour ce camp. Thank you for giving. So beautifully and easily. Merci d'avoir donné tellement. And thank you for coming in the morning. Et merci d'être venu ce matin. Because you could have said, we are going to sleep because we heard that this morning there is fundraising. Vous auriez pu dire non, on va dormir parce qu'on a entendu que ce matin il y a une levée de fonds. At least we have had something to do with no weeping and no gnashing of teeth. Au moins vous avez fait quelque chose qui a à voir avec pas de pleurs, pas de grincements. There are five prophecies, and I've given you two. Il y a cinq prophéties, j'en ai partagé deux. And I believe. Et je crois maybe one day que peut-être we'll un have jour, the other parts. On verra les trois autres. Amen. Amen. All right. Take okay. out your offering if you ready with this current one. You can give it. Si vous êtes but prêt whatever, avec cette offrande actuelle, vous pouvez déjà just donner. Come to the front and put it in your. Mais, now lift your offering up. Let me pray. Father, thank you as prier. We present our offering Père, for healing Jesus. Alors que nous healing Jesus. Pour la once it's done, guérit. It's done for eternity. Une fois que c'est fait, c'est fait once l'éternité. It's done. It's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. Once it's done, une fois que c'est fait, it's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. Once it's done, une fois que c'est fait, it's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. Once it's done, une fois que c'est fait, it's done for c'est eternity. C'est fait pour l'éternité. Once it's done, une fois que c'est fait, it's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. Thank you. Merci. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let them come to the front and put offering. Qu'ils puissent venir devant donner leur offrande. If you got offering, come this. Put your basket. Hello. Mettez votre panier. Let them come to the front. Everybody puisse venir devant. Tout le monde venez devant. Put your offering in the front. Vous pouvez déposer votre offrande. You know what I'm hearing in my spirit? Vous savez ce que j'entends dans mon esprit? Once it's done. Une fois que c'est fait. It's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. Once it's done. Une fois que c'est fait. It's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. Whatever you do, quoi que vous fassiez, you've done it for eternity. C'est fait pour l'éternité. It's finished. C'est fini. Beautiful. Magnifique. Fantastic. How many realize that if it had not been for the church, you wouldn't know such beautiful places in Switzerland? Combien d'entre vous réalisez que si ce n'était pas pour l'église, vous ne connaîtrez pas de tels beaux endroits en Suisse?
Tell the truth, dites please. La vérité. Please tell the truth. S'il vous plaît, dites la vérité. You would never come to such a beautiful place. Vous ne serez jamais venu à un tel bel endroit. If it was not for God and the church. Si ce n'était pas pour Dieu et l'église. Let us be serious. You wouldn't Soyez have sérieux. Come for no holiday with no wife and no husband and no child. Sans enfant, mari ou femme. You're not come here for no nothing. Vous ne serez jamais venu ici pour aucune raison. The people who own houses in this place are the film stars. Les propriétaires de maisons ici sont les stars télévisées. Yes. Very beautiful. Très magnifique. You see, there's two mountains with the one in the middle. Vous avez there. Vu les deux montagnes avec la maison au milieu. Fantastic. C'est magnifique. Beautiful. Magnifique. Anyway, de toute façon, have you all finished giving your offering? Est-ce que vous avez tous fini de Stand donner up and let's pray. Levez-vous, on va prier. Everybody here is a BNP partner, isn't it? Tout le monde ici est un partenaire That's for BNP, your 10 euros, 10 Swiss, just 10. Même si 10 euros, The BNP is almost meaning 10. Le BNP That's peut all. Presque dire 10. Everybody should join it. Et donc tout le monde peut rejoindre. If you want to give more, fine. But si vous voulez donner plus 10. Que 10, ok, mais 10. We need it. C'est all déjà right? ça. Lift your hand for the final blessing. Levez vos mains pour la bénédiction finale. Father, I thank you for everybody who is part of this. No weeping and no gnashing. Père, je te remercie pour tout le monde qui fait part de ce camp. Pas de pleurs, pas de grincements. Lord, we know you are warning us. Seigneur, nous savons que tu nous avertis. But it's a blessing. Mais c'est une bénédiction. Because we could have walked on. Parce qu'on aurait pu continuer without à marcher. Being warned. Sans avoir été averti. We thank you. Nous te remercions. For touching us. D'avoir touché nos cœurs. Warning us. De nous avoir avertis. Reminding us. De nous avoir rappelé. Thank you for everyone here. Merci pour tout le monde ici. I pray for Switzerland. Je prie pour la Suisse. I pray for France. Je prie pour la France. For Germany. Pour l'Allemagne. For Austria. Pour l'Autriche. Hungary. Pour l'Hongrie. And all the other nations that Et are part of this. Et toutes les autres nations qui sont part. Multiply us, Lord. Multiplie-nous, Seigneur. Let us never regret our years. Qu'on n'ait jamais de regrets concernant and nos our années. Days that we have lived here. Nos années qu'on a vécues ici. Once it's done. Une fois que c'est fait. It's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. May you be blessed. Que vous soyez bénis. To do for eternity what is necessary. De faire ce qui est nécessaire pour l'éternité. Once it's done. Une fois que c'est fait. It's done for eternity. C'est fait pour l'éternité. May you be blessed. Que vous soyez bénis. May your children be blessed. Que vos enfants soient bénis. And as you serve God. Et alors que vous servez Dieu. May you do great things for eternity. Que vous faites de grandes choses pour l'éternité. Now put your hand on your physical body, Father. Mettez votre main sur votre corps physique. Pray against the spirit of cancer. Père, je prie contre l'esprit de cancer. Diseases. De maladies. Wickedness. De méchanceté. Diagnosis. De diagnostic. Of darkness. De ténèbres. We dispel and expel. Nous les chassons them. Au nom de Jésus. We dismiss them. Nous les annulons. We reject them. Nous les rejetons. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Whatever shortens your life. Quoi que ce soit qui raccourcit votre vie. We curse it now. Nous le maudissons maintenant. Whatever makes you die suddenly. Quoi que ce soit qui fait que vous mouriez soudainement. We reject it in the name of Jesus. Nous le rejetons au nom de Jésus. We reject it in the name of Jesus. Nous le rejetons au nom de Jésus. Receive your healing. Recevez votre guérison. Receive protection. Recevez la protection. From every wickedness. De toute méchanceté. When there is a terror. Lorsqu'il y aura une terreur. And a terrorist. Et un terroriste. And an evil. Et un May you be counted worthy to escape. Et un mal que vous puissiez être compté digne d'y échapper. Any form of surprise. Quelle que soit la toute forme de surprise. Receive divine escapes. Recevez une libérée divine blessings. Une bénédiction divine. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Father, I thank you. Lift Père, your hands. Père, je te remercie. Levez vos mains. For your covering for all your children. Pour ta couverture pour tous tes enfants. Multiply them, Lord. Multiplie-les, Seigneur. And increase them like a flock. Et crois-les comme un troupeau. I give you praise for everyone here. Et j'ai prié ainsi pour you toute personne ici. You have touched their lives. Tu as touché leur vie. Our lives will never be the same Nos vies again. Ne seront plus jamais les mêmes. We give you thanks. Nous te remercions. Jesus, we believe in you. Jésus, nous croyons en toi. One day we will see you. Nous te verrons un jour. We'll be so glad. Et nous serons tellement heureux. We believed in you. Nous que nous avons cru en toi. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. We praise you, God. Nous te louons, Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And everyone shouted, Amen. Et tout le monde déclare, Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. I'm planning to be in heaven. Je prévois d'être au ciel. Without no weeping and no gnashing of teeth. Sans crassement de dents. Amen. Amen. How many believe that you are going to get to heaven and? Combien d'entre vous croyez que vous allez arriver au ciel? Charlie. When you meet your friends, you say, how, Charlie, how was it when you came? So, no weeping, no gnashing. We were prepared for this in Europe. So, we were very cool when we got here. En Europe, donc on était très it was a cool arrival. C'était une arrivée détente. We had all the past questions. On avait déjà eu toutes we knew what they were going to ask. Et on savait ce qu'ils allaient demander. Whether we treat the servant despitefully. Whether we are taking the ministry lightly, made light, we were ready for all this. It was not a problem at all. It was cool. Yeah. C'était cool, détente. Wow. Are you excited that you have all the past questions of what you are going to be asked? Déjà les questions pour les examens? You are wild. Other Christians will be feel jealous of you. So you knew all this when you were here. Oh, yeah. We were prepared for eternity. We had question 1, 2, oui, 3, 4, 5. On avait les questions des examens de 1 à 5. You are blessed in Jesus' name. Vous êtes béni au nom de Jésus. Father, thank you for your blessing. Père, merci pour ta bénédiction on your children, sur tes enfants. For your great multiplication pour ta grande multiplication on their lives. Sur leur vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Vous you may be seated. Vous pouvez vous asseoir.